Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live sur GTA RP les gens. Ça fait trop bizarre de dire ça. On est enfin sur GTA RP les gens. Ça fait beaucoup trop longtemps. Pour ceux qui n'auraient pas suivi de base, tout ça, ça part d'un... Ça fait tellement longtemps en fait que je regarde des lives GTA RP, tu vois. Je consomme littéralement que ça. Je consomme. Et... je crois que ça fait depuis 2017-2018 que je consomme du GTRP. Et j'avais pas un PC assez puissant, tu vois, pour pouvoir lancer du GTRP. Là, je viens enfin d'avoir mon nouveau PC, donc maintenant je peux me le permettre. Donc graphisme à fond, tout ça, tu coco. Mais donc, tout ça part d'un donation goal. Parce que du coup, l'année dernière, j'ai fait un petit donation goal où dedans, il y avait faire du GTRP à partir de je sais plus combien. Et on a passé ce palier. Donc du coup, aujourd'hui, eh ben, on commence cette petite aventure GTRP les gens. Je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être, on va dire, compliqué au début. Parce que en termes de RP, ça va être simple pour moi, je pense. Mais c'est niveau des touches. Parce que niveau des touches, les gens, je suis pas du tout un joueur PC. Je joue que manette d'habitude. Et là, ça va être une vraie redécouverte. Donc je vais essayer de mixer un peu les deux, parce que je sais qu'on peut jouer à la manette sur GTRP. Donc je vais faire un peu de manette, un peu de touche, mais il faut vraiment que je m'habitue le plus possible aux touches, parce que je vais pas continuer à jouer à la manette pendant 107 ans, tu vois. Donc il va falloir vraiment que je m'habitue. Et donc, pour toutes celles et ceux qui se demanderaient du coup quel RP j'ai choisi, c'est tout simplement un Free Access que j'ai préféré aller, quoi. J'ai préféré aller sur un Free Access parce que les whitelists, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est soit un petit peu trop compliqué, sachant que je n'ai pas d'expérience, parce qu'ils demandent tous un minimum d'expérience. J'ai pas d'expérience, et puis même pour ceux qui accepteraient les débutants, j'ai pas envie forcément d'aller sur un whitelist, et que justement, je sens que c'est trop compliqué, tu vois. On me met trop de pression et que je sois là en panique. Alors que là, sur un free access, je vais être un peu plus libre, je vais être, je vais prendre beaucoup plus mon temps, tu vois. Et l'avantage qui est bien, c'est que j'ai choisi un serveur RP qui soit le plus sérieux possible. Franchement, il y avait plein de free access. Et j'avais vraiment pas envie de prendre un free access qui soit trop, on va dire, comme ci, comme ça. Là, ils font les fous, là, ils font ci, là, ils font ça. Là, je voulais vraiment avoir un free access qui soit sérieux. Franchement, je voulais du sérieux. Alors, évidemment, quand on dit du sérieux, c'est pas genre, on n'a pas le droit de rigoler, hein. Évidemment, on va pouvoir rire de temps en temps, mais le principal truc, c'est du sérieux. Parce que quand même, ça reste du RP, on fait pas n'importe quoi, on est à fond dans le personnage. Et en parlant de personnage, les gens, avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, parce que là, on va pas tarder à y aller, parce que j'ai vraiment envie de commencer en général vers 20h, parce que je sais pas combien de temps ça va nous prendre. J'ai très peur de tomber matrixé, tu vois, GTRP, parce que... En général, quand tu commences une aventure, t'as envie que ça se poursuit, tu vois. Et à chaque fois, il se passe des trucs, des rebondissements. Donc à chaque fois, tu relances. J'ai trop peur de devenir accro. Mais en soi, c'est peut-être une bonne chose, tu vois. Mais faut pas non plus en abuser. On n'abuse jamais des bonnes choses. Mais donc du coup, pour revenir à ce que je disais là, le personnage, les gens. Et d'ailleurs, désolé, mais hello à tout le monde. Hein. Hello tout le monde, j'étais tellement focus dans le RP là. Hello à Dark. Hello à Je suis Barbu. Ça va et toi? Enfin, vous allez bien, les gens? Vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud pour ce soir, là? Pour le petit GTRP, là? Du coup, pour parler du personnage, les gens, j'ai... j'avais plusieurs choix. En fait, pendant que j'avais pas de PC, parce que pour tous ceux qui débarqueraient, peut-être, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte, ta-ta-ti-ta-ta-ta, comment ça, il avait pas de PC? Eh bah, en soi, j'avais pas de PC pendant un mois. Il marchait plus, je pouvais plus faire de live. Donc, en fait, j'avais que ça à foutre de m'imaginer des persos RP. Et il y en a, j'abuse même pas quand je dis ça, c'est des bangers. Franchement, j'ai créé plein de personnages qui sont des bangers avec du background de zinzin, tu vois. Sauf que, je vous rappelle que c'est ma toute première fois sur GTRP. J'ai pas envie de créer un lore trop poussé, de faire un personnage vraiment complexe, etc. etc. Et du coup, j'ai préféré partir sur un perso basique, les gens. C'est-à-dire que c'est un bon petit français, tu vois, qui
vivait chez ses parents, il vient de sortir des études, et le Boug, tout simplement, avait pour rêve un jour de vivre à Los Santos. C'était sa destination de rêve, il voulait toujours habiter là-bas, franchement, c'était c'est son plus grand rêve. On ne sait pas pourquoi, mais il voulait y vivre, il voulait y travailler. Et du coup, pendant plusieurs années, il a économisé son argent de poche, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, là, c'est l'anniversaire de mon personnage. Il fête ses 25 ans. Et donc, du coup, pour fêter ses 25 ans, il a pris le premier billet pour aller à Los Santos. Et c'est parti. Il va atterrir à l'aéroport. Et l'aventure va commencer, quoi. Tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un background pas très, très poussé. Genre vraiment c'est mon premier perso, j'avais pas envie de me prendre la tête. À partir du moment où je commencerai à créer d'autres personnages RP les gens, là on va entrer dans des histoires bien poussées que j'ai écrites. Là je vous jure ça fait tout ça de pages, même beaucoup plus tu vois. Et j'ai hâte de les incarner ces personnages là. Mais pour le moment on est tranquillement avec ce nouveau personnage là. Et pas trop poussé, franchement on se prend pas la tête. Là le but ça va être justement de créer des contacts sociaux, tu vois, dans la ville, voir un petit peu ce qui se cache, et puis peut-être trouver du boulot, ce serait bien. Et puis aussi, permis, très très important, parce que si je me fais contrôler par les flics, je suis dans la merde, quoi, littéralement. Donc voilà. Bon, pour ceux qui veulent savoir le serveur, j'ai choisi comme serveur, mesdames, messieurs, j'ai essayé franchement de trouver le meilleur serveur qui soit le plus sérieux possible et avec quand même du monde, parce que si le serveur il y a quasiment personne, c'est pas ouf quoi. Et donc j'ai trouvé comme serveur Spirit RP les gens, qui m'a l'air un serveur on dirait bien noté, où les gens ne se plaignent pas trop, où le staff est apparemment extrêmement présent. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous présente Lenny Smith. Lenny Smith. Alors, je vous dis tout de suite, pour les prochaines fois, tous les persos que je vais incarner, je veux que, soit dans le prénom ou soit dans le nom de famille, je veux qu'il y ait soit l'or dedans ou soit que ça commence par la lettre L. En référence, tu vois, à mon pseudo qui est Lorios, quoi. Donc, voilà. J'ai choisi vraiment des... C'est pas moi qui ai choisi les habits, hein. Je préfère vous prévenir. Donc, let's go. On commence tout de suite. Ah. C'est donc ça. Los Santos, j'y suis. Putain, j'arrive pas à le croire. Depuis tout petit, je rêvais de cette ville. Et m'y voilà enfin. Oh. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, très bien monsieur, et vous? Ah bah moi ça va très très bien, écoutez, je viens de débarquer là, à l'aéroport, est-ce que vous pourriez me louer un petit véhicule monsieur? Oui, parfaitement, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez comme véhicule? Oh bah peu importe, c'est vraiment pour aller dans la ville, c'est pour découvrir tout ça, et let's go. Vous pouvez me faire un petit prix par contre? Parce que bon, Je viens d'arriver, je suis pas très riche, monsieur. On va voir ce qu'on peut faire. 80 balles ? 80 balles la bagnole, monsieur ! Eh, je suis pas riche de fou, hein. Vous êtes sûr que vous pouvez pas me faire un petit prix ? Non, 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 c'est les tarifs. Ok, bon, très bien. Eh ben, je vais vous prendre la Fagion. J'espère que je le prononce bien. Hein. Ah ! Je peux pas prendre la Fadion. Ah. Très bien, donc je vais payer les prix les plus chers, hein, ce que je comprends, monsieur, c'est ça, hein. Ah non, même pas, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Ok, bon, bah, monsieur, c'est pas très sympa. Je vous m'en dirai des nouvelles, hein. Putain, c'est tous des enculés dans cette ville, c'est pas possible. Mais du coup, je fais comment, là, pour aller dans la ville? Putain, c'est donc ça, Los Santos? Mais moi, j'ai toujours pris Los Santos pour une ville respectable. Comment ça Comment ça, on me fout à la rue dès le début, là? Moi, je voulais juste louer un petit véhicule, tranquillement.
Oh, un téléphone! C'est exactement ce qu'il me faut. Où c'est que je trouve des téléphones? Je vais appeler un taxi. Taxi, s'il vous plaît? Oh merde, me dis pas que je vais aller jusqu'au centre-ville comme ça à pied. Mais messieurs! Ouais. Oh, désolé, désolé! Oh, bon, laissez tomber, je m'excuse. Oh merde, ça commence bien. Oh, des donuts! Sucré au sucre! Ça donne envie, hein. Bon, par contre, je suis dans la merde là. J'ai pas de véhicule. Je vais passer littéralement mes prochaines heures comme ça à courir là? C'est pas possible, il n'y a aucun véhicule en plus. Oh, par contre là, ça commence trop mal. Ça commence trop mal là. C'est quoi ce bordel? Bon, eh bien, je crois que je vais devoir courir jusqu'au centre-ville comme ça. J'espère que je me dirige bien. J'ai même pas de téléphone sur moi. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai voulu redécouvrir la vie. À zéro. Oh merde. Eh, il a pas du flow, mon perso, les gens. Bon, par contre, on dirait qu'il a mis du gloss là. C'est bizarre. Hein. Eh, il est pas BG. J'ai essayé de faire un bon petit français, tu vois. Bon petit français. Avec un peu de beubard. C'est un jeune, hein. Il vient de sortir de ses études. Et là maintenant, c'est le monde du travail quoi qui l'attend. Putain, il n'y a aucune bagnole. Oh! Monsieur, vous faites quoi là-bas? Monsieur! Comment ça, je peux acheter un visa pour Cayo Perico? Non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Ah, de quoi, monsieur? Ouais, tu veux ton petit visa ou pas? Non, non, ça va aller, ça va aller. Je viens juste de débarquer, c'est pas pour repartir dans une autre île, monsieur. Hein. Ça va aller. Ok, t'es sûr, hein? Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Comment ça, on essaye de m'embarquer dans des trucs bizarres? Oh, ça y est, là, on est au cœur de la ville. Ils ont toujours pas fini de rénover ce bâtiment en face, là. Ça fait des années que je le vois en construction, je comprends pas. C'est bizarre. Attendez, je crois que... Quand je me suis renseigné avant de venir à Los Santos... Je crois que le permis de conduire n'est pas très loin. Je vais en profiter. Donc les rues sont vides, hein. Moi, je m'imaginais à Los Santos, du mouvement, quoi. C'est très calme. C'est beaucoup trop calme. Hello, Away Fan! Ça dit quoi, les gens? Bah, depuis toujours, en fait. Avant, je pouvais pas faire de RP, quoi. J'avais un PC de merde. Maintenant que je peux me le permettre, je vais bien en profiter, quoi. Est-ce que t'en fais aussi de ton côté ou pas du tout? Putain, mais là, je viens de faire 10 km, c'est pas possible. Je crois que c'est là-bas pour faire son permis. Si seulement le permis français pouvait compter. Mais non, faut que je la repasse. J'en peux plus, je suis fatigué là. En plus, je crois que je vais bientôt mourir de faim et de soif. Si ça continue, je suis totalement déshydraté. Je crois que c'est là-bas. Ok, je passe vite.
Oula. 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 Oh! Merde! Ah! Putain, mes lacets! Ah! Ça devrait être ici, je pense. Bonjour, monsieur. Je viens tout droit de France. Et j'aimerais passer le permis, parce qu'on m'a dit que... Ça ne comptait pas, le permis, ici. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous pouvez le passer? Vous voulez le passer tout de suite? Oui, j'aimerais le passer là, maintenant, tout de suite, là, si c'est possible. C'est combien? C'est 500$. Ok, vas-y. Ça va. C'est cher payé, quand même, hein, mais... Allez. Allez, pourquoi pas, monsieur? Ah, mais là, je fais le code, là, monsieur! Ah, mais moi, je pensais que c'était le permis! Ok, alors, qui passe en premier? Oh, j'ai l'impression que je suis un vrai examen, là. Bah, c'est la voiture blanche, là. Elle a la priorité. Quelle est la vitesse maximale dans les parkings? Oh, merde. 10, parce qu'il y a des piétons quand même. Que devrais-je faire? Putain, mais je passe vraiment le vrai code là. Que devrais-je faire? Attends, que devrait faire, pardon, la voiture blanche? Bah, il y a des flics qui le poursuivent, quoi. Donc, elle s'arrête, ça paraît logique. Que devrait faire la voiture rouge? Bah là, il s'apprête à partir, là. Donc, le laisser passer. Mais attends, mais ça va durer encore combien de temps, là? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Bah, la voiture verte, elle le double, alors que... Y a pas des petits pointillés pour doubler, quoi. Elle peut pas dépasser, la voiture. Let's go! Let's go, j'ai le permis! Enfin, j'ai le permis, j'ai le code. Là, va falloir passer le permis, j'imagine. Allez. 1500 balles! Ich! Putain, c'est les mêmes tarifs que... Qu'en France ou quoi? Bon, bah, allez, hein, j'ai pas le choix, je me fais couiller, hein. Que ce soit en France ou à Los Santos, c'est la même chose partout. Oh, merde. Ah ouais, ça fait 2 ans que tu fais du RP, trop bien! Tu sais, pour les meilleurs paramètres, comment ça, pour les meilleurs paramètres? En fait, vu que maintenant j'ai un PC, on va dire, de compétition, je mets tous les paramètres à fond, si c'est ça que tu me parles. Ou est-ce que tu me parles des touches, là? Comment vérifier si le klaxon fonctionne? Comment vérifier si les freins fonctionnent? Qu'est-ce qui permet de mesurer la pression des pneus? Attends, je viens de faire un fuck, là? Non, mais c'est pas ce que je veux faire! Mais je suis malade, moi! Je me maîtrise plus! C'est quoi ce bordel? Comment je coupe la zic? Ah! 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 Au secours! Comment on coupe? Ah, voilà! Cette musique de merde! Allez, c'est pas... Par contre, il est où l'examinateur, là? Monsieur! Il faut monter, hein! Ah, non, mais c'est la nouvelle technologie! C'est la nouvelle technologie, évidemment! Ils ont mis une caméra dans ma bagnole. Et du coup, maintenant, ils examinent comme ça à distance. Putain, c'est vraiment devenu des flemmards, hein, les examinateurs. Allez. Je suis bien, là? Faut que j'aille où? Ah, là-bas, ok. Par contre, j'ai pas regardé, c'est à combien de kilomètres heure, là? Ok, feu vert. La panne de l'expert. Oh merde, j'ai encore mes références de France, moi. Mais je suis foutu dans cette ville. J'espère que je suis pas trop rapide. Ah, je fais trop de fautes! Non, comment ça je fais trop de fautes? Mais je vais pas rouler à 2 à l'heure, mais c'est quoi ce bordel?
Mais non, mais je roule comme un papy là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, je dis ça parce qu'il y avait des bugs graphiques quand tu marchais. Ouais, j'ai vu ça. Mais je pense que ça vient du serveur parce que moi, ça n'alourdit. Je dois aller où? Oh merde. Comment ça, je peux aller là-bas? En fait, je pense que ça vient du serveur parce que normalement, ça alourdit pas du tout ma carte graphique. Genre, j'ai une grosse carte graphique. Elle est pas censée faire ça, quoi. C'est bizarre. Je pense vraiment que ça vient du serve. Ok, on va passer sur l'autoroute. C'est combien l'autoroute? Comment je sais les kilomètres-heure sur l'autoroute? Ok, c'est 110. On va se régaler. Hello, Bast! Ça va et toi? Bah oui, c'est la première fois que je suis sur un GTRP. C'est la toute première fois là. Le début d'une longue aventure, peut-être, qui sait? Merde, j'étais trop vite. Bon, par contre, j'ai croisé encore personne hein, au centre-ville. Hein. C'est bizarre. C'est un peu long là. Ah ouais, là je passe vraiment mes heures de conduite, hein. Heureusement qu'on le fait qu'une fois parce que. Il y avait un truc qui. Fallait monter dans les paramètres. Et je crois que j'ai tout mis à fond dans les paramètres, hein. Attends, on va regarder ça après. Ok, je crois que je vais être bientôt de retour là. Et normalement, je l'ai, j'ai pas fait trop de fautes. Ok, là-bas. Ok, on est arrivé là. Allez, dis-moi que j'ai le permis. Dis-moi que j'ai le permis. Attends, j'accélère pas trop. Allez, là je l'ai là. Où j'ai où? Où j'ai où? Ah là. Ah, faut que je me gare en fait. Merci monsieur. Je vous fais plein de poutous. Mouac, mouac. Merci. C'est. Bon, par contre, vous étiez un gros flemmard. Hein. Il n'y avait personne, vous auriez pu monter dans la voiture et m'examiner. Là, franchement, vous faites aucun effort. Mais merci quand même pour le permis. Au revoir. Aïe, ah, oh, oh, aïe, oh. Oh là, ah, je suis en fou, moi. Je suis trop excité. Faut que je me calme. Oh, let's go. On l'a, ce foutu permis, là. Bah normalement je suis sur un serveur avec beaucoup de populace hein. Et on est 100, on est 108. On est 108. Et par contre bizarre je trouve personne. Je pense qu'ils doivent être tous au centre-ville ou un peu éparpillés aux quatre coins de la map là. Mais du coup pour les menus là. Hein. C'est vrai qu'on voit charger au loin là. Wesh! On voit les bagnoles volantes! Non! C'est moi qui hallucine, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur. Je vois des voitures voler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et pourtant, je n'ai pas bu avant d'arriver. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh
Oh, ah oui, c'était juste des hallucinations. Je crois que je deviens fou. Bon, j'espère rencontrer des personnes. Hein. Là, j'ai besoin de trouver un taf. Je vais mourir de faim et de soif. J'espère qu'il y a une petite boutique, là. C'est quoi, ça, Xero24? On dirait un nom d'un médicament. Non. 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 Je peux acheter des Smarties? Non, 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 non. Non. Non, non, non. Il me faut une boutique, là. Il me faut une boutique. En fait, là, les gars, je peux pas regarder la map. Ce serait trop HRP parce que j'ai pas de téléphone, en fait. J'ai pas de tel. Et vu que je sais même pas où est-ce que je peux en trouver, bah là, je suis foutu, en fait. Je suis obligé de faire genre de marché. J'ai trop le seum. Je peux pas regarder la map. J'ai pas de téléphone, en fait. Ce serait trop cheaté. Genre, j'ai une carte dans le pétou, quoi. Je sors la carte du pétou. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, là. Je pense être vraiment au cœur. Je suis au cœur du centre-ville. Ah, c'est comme dans mes rêves. Depuis le temps que j'imaginais être ici. Autour de ces gros buildings. Je suis très heureux. Par contre, on dirait une ville morte. Hein. Ça fait peur un peu. Ah merde, c'est vrai que c'est au rouge. Bah désolé monsieur, mais bon, faut bien que je passe, hein, vous êtes à l'arrêt, j'en profite. Bon, par contre là, je suis un peu dans la merde, il faut vite que je trouve une boutique, je crois, je vais mourir de faim là. Oh, il y a les keufs. Il faut que j'aille au Comico. Faut que j'aille au Comico, je pense. Je sais pas si je dois me faire recenser ou un truc comme ça. Bon, ça, si c'est pas une voiture de cop, je comprends pas. Hein. Digital. Attends, est-ce qu'ils vendraient pas des téléphones là-bas? Je passe, hein, j'en ai rien à foutre. Le feu, il est jamais vert de toute façon. Y a pas des trucs là? Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais aller me faire des habits, je pense. Oh merde. Merde. Ah. Bonsoir. Alors. Mais je crois là, je vais vraiment mourir de faim, les gens. Là, j'ai plus rien là. Ok, je vais mettre un jean comme ça là. Comment ça, c'est pas mal ou pas là? Vous en pensez quoi? Par contre, je sais pas comment on fait pour valider. Demande à la meuf si... Oui, non, non, on va éviter là. En plus, elle m'a même pas répondu, je lui ai dit bonjour. C'est pas grave. On valide la tenue ou pas là? J'ai peur de faire une connerie. Je pense que ça doit coûter cher, non? Elle en a rien à foutre, là. La meuf, elle en a rien à branler. J'en ai rien à foutre, je continue ma tenue, moi. Elle en a rien à foutre, la meuf. Ouais, t'inquiète, c'est la première fois. Donc là, c'est la première intervention. Donc là, je vais t'évaluer un peu sur la terre. Un mec inconscient, dans le coma. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je prends le matériel pour la réanimation. Ouais. Elle est en stage, Il faut toujours avoir le dialogue avec les civils. Okay. Vas-y. Bonjour. Je vous soigne. Restez avec nous. Dialogue, c'est... Oui. Oui. Vous inquiétez pas, nous sommes là, ici les EMS. Oui. On va vous aider. On va vous aider. Ce genre de trucs. Oui, ça se veut dire, mais... Ouais. Bonjour, le mec est complètement en commun. Bah, je préfère être poli aussi. Mais oui, vous êtes déjà poli. Dès que vous parlez déjà avec Astoria en disant qu'on quoi vous le rassurez, c'est déjà une bonne politesse.
Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Eh mais je retiens quand même, la meuf, elle en a eu rien à foutre. Hein. Je suis tombé dans le coma devant elle. Oui, mais c'est pour voir si vous avez besoin d'assistant. Oui, puis c'est pour lui montrer aussi... Qui? Montrer qui? Mais non, mais c'est pour lui montrer comment... Ah oui passe, ah oui, oui, donc voilà. Donc, ils sont aussi en recrutement, je pense. Je suis dans le coma, donc là, je suis en train de la réanimer. Ah mais je suis vraiment dans le coma, là. Hein. Toujours avoir le dialogue. Restez avec nous, on est... Ah, ça va bien mieux, là. Ah bon, voilà, bonsoir. Toujours rassuré. Bonsoir. Vous allez bien, c'est bon, ça va mieux. Ça va, oui. Je pense que je me suis pas trop hydraté, mais là, je pense aller mieux, là. Qu'est-ce que monsieur y parle? C'est bon. Demandez-lui toujours s'il va bien. Tout va bien. Ah merde, vous allez mal quelque part? Oui, alors, attendez. Ah merde. Putain, ils m'entendent pas, mais c'est pour ça, en fait. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, monsieur. Très bien, oui, désolé. Je pense que je m'étais mal hydraté, en fait. Oh non, mais. Dans ce genre de situation, je lui donne à manger et il est tombé dans le coma. Donc, pour établir les réanimations, il lui donne à manger et à boire. Alors, réanimation. Mais non, mais c'est pas possible, putain. Mais c'est pas possible, elle vient à peine de me réanimer, je suis déjà KO. J'ai très faim. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Prends ton temps. Positionne là où tu vas le réanimer. Mais c'est pas possible, okay. Putain, le karma. En fait, c'était mon micro. Merde. Éventuellement, essayez de le... Allez, avec nous. Alors, tu le masses une vue de corps, ça. Hein. Oui. Je le vois, c'est masser les pieds, mais... N'est-ce pas? Je crois que le... Monsieur, restez avec nous, hein. Surtout, restez avec nous. Je vois la lumière. Excusez-moi, madame, ça vous dérange. Heureusement, c'est ma première intervention. T'inquiétez pas. Bien début à tout. Vous êtes nouvelle? Non. C'est qui, alors? Ça va, Yana? Putain, mais en fait, la meuf, c'est pour ça que tout à l'heure, elle m'entendait pas. Revenez. Je connais pas. Voilà, la lumière. Ça va bien se passer, monsieur, vous inquiétez pas. Juste contourner... Monsieur qui est par terre, vous en faites pas. Il y a juste un malaise. Et rien de plus. Ah, et voilà. Vous êtes ma sauveuse. Bon. Merci beaucoup. Je crois même. Mais, non. Bah oui, mais bien sûr que si. Ah oui, mais je connais. Par contre, c'est Maïli. Hein. Je suis désolé, mais est-ce que vous auriez pas un petit truc à grignoter ou à boire? Parce que je pense que là, je vais vite retomber dans le coma là, si ça continue. Oui, oui, prenez ça. Merci beaucoup, monsieur. Hey, vous êtes un ange, merci beaucoup. Hein. Comment ça se passe avec Taylor? Bah ça va. Arrêtez-vous bien, mangez bien. Monsieur, mais ça va pas ou quoi? C'est pas moi. Bah monsieur, vous êtes complètement fou quoi. Non mais, ça se lâche hein. Mais j'ai rien fait. C'est pas moi. Est-ce que vous allez mieux? Oui, très bien. Vous avez mal quelque part? Merci beaucoup, oui. Tout va mieux, ouais. Je pense que ça va. Je pense que j'étais juste un petit peu déshydraté. Mais tout va mieux maintenant que vous m'avez sauvé. Vous êtes ma sauveuse, merci beaucoup. Eh ben, de rien, mais faut féliciter le professeur. Merci, monsieur. Vous appelez comment? Huck. Pardon? Je m'appelle Huck. Ah, j'ai compris, fuck. Ok, enchanté, monsieur Huck. Ouais, ça va, merci. Enchanté. Et vous appelez comment, madame? Aria et Huck. Eh bien, bien le merci. Est-ce que je... Putain, j'allais dire, je peux prendre vos numéros au cas où, si jamais je suis dans la merde, mais... Monsieur, on ne sait pas. Mais c'est pas moi. Mais madame, arrêtez. Vous me faites passer pour je sais pas quoi, là. Je sais très bien que c'est vous. Je vous ai vu. Monsieur. Oui, oui, pardon. Vous pouvez contacter les urgences ambulances 24/24 pour vous répondre, monsieur. Vous n'êtes pas habilité à répondre à cette intervention hors de service. En fait, je crois que je n'ai pas de téléphone. Vous savez où je peux trouver un téléphone? Allez, parlez-en, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, je vais vous dire ça, où ça se trouve. Vous prenez cette carte en main. Oui. Vous allez... Ah, putain, c'est quoi ce bordel? Wesh. Attends. Ah, ok, c'est bon. Vous allez vers le... À côté du LS Custom, vous allez tout à droite si vous arrivez en face de Wi-Fi. Là, c'est bon. Wi-Fi, ce sera un magasin de téléphone. Ok.
Ok, LS Custom, magasin de téléphone. Ok, bah je vous remercie alors. LS Custom, ouais, ouais. Excusez-moi. N'oubliez pas de vous hydrater puis de manger. Hein. Ouais, c'est ouais. Ce que je vais faire. Illico presto, même. Eh ben, parfait. Je, voilà, bah je vous remercie en tout cas. Est-ce que je vous dois quelque chose pour cette intervention? Non. Ok. Et bah, parfait alors. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Je vais vite prendre un petit téléphone, me nourrir et continuer mon bout de chemin, quoi. Oui, vous en faites pas. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Bonne soirée à vous. Et peut-être à la prochaine, mademoiselle. Vous parlez pas. Oui. Au revoir. Pas de soucis. Au revoir. C'est le métier. Vous parlez trop. Là, on est bien. Alors par contre, je vais pas vous mytho les gens, j'ai rien retenu là. En fait, faut juste que je trouve des contacts, que je récupère un petit téléphone, que je bouffe, très important. On a vu que c'était méga 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 important. Et une voiture quoi. Non, non vous avez pas retenu, non c'est pas possible. Attends, par contre, il m'a, on va dire qu'il m'a donné une carte. Il m'a dit, tenez, regardez. Donc là, maintenant, j'ai une carte. Alors, il m'a dit... Il m'a dit magasin de téléphone. Merde. Merde. Hello, le Gremlins. Pas de soucis, t'inquiète pas. Il s'est pas passé énormément de choses. Hein. Ah. Non, putain, j'ai compris téléphone. C'est où la boutique de téléphone, bordel? Weasel News. Faut que je demande s'il n'y a pas du boulot au Weasel News. Imagine RP journaliste. Oh, ce serait banger. Ich. J'en ai marre d'être à pied, là. J'en ai trop marre d'être à pied, j'en peux plus. Let's go, une boutique. Vite. J'ai pas envie de retomber dans le coma bêtement, là. Bonjour, monsieur. Alors, c'est marrant parce que... Oh là. En fait, de base, j'étais venu acheter à manger et à boire. Mais vous pouvez me passer une petite revue là-bas, là, derrière vous, là. Mettez-moi un check, s'il vous plaît. C'est gentil, monsieur. Alors. Quoi? Comment ça, j'ai de l'argent sale sur moi? Mais je suis un honnête citoyen. Comment ça, j'ai de l'argent sale? Qui m'aurait donné de l'argent sale? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je peux payer avec cet argent, là? Parce que là, j'ai littéralement plus de fric, hein. Vas-y, je vais me prendre un petit Capri Sun. Ok, je peux payer avec de l'argent sale, mais c'est incroyable. Ok, je vais me prendre un peu de pain. Et je vais me prendre... Voilà, comme ça, là je pense que je suis pas mal là. Je vais me ravitailler au maximum. Ah. C'est très rafraîchissant, monsieur, hein, votre petit Capri Sun, là. Oh, par contre, j'aurais dû manger avant. Parce que là, je vais m'assécher, là. Donc voilà. Vous m'avez donné les petites revues derrière vous, monsieur? Un de chaque, hein. C'est pour mon frère. C'est... Ouais. C'est... Alors, bon. Bah, je vais y aller, moi. Je pense que je suis bien revigoré, là. Bon, attends, très clairement, là, il faut que je trouve un but, quoi. Les gens, on fait quoi? Est-ce que je ferais pas un petit taf, déjà? Un petit taf, on va dire, lambda. Comme ça, j'ai un peu d'argent. Et je peux déjà commencer à dépenser dans une petite gova. Et après, j'essaye de postuler au Weasel News. Je viens d'avoir un flash, là. Vous me voyez, moi, en tant que présentateur, là? Et bienvenue au Weasel News. Les actualités du jour. C'est incroyable.
Je veux devenir présentateur. Ça y est, c'est mon rêve. Je veux être présentateur. C'est quoi ça hein? Ah, c'est le Burger Shot. Ok. Mais non, téléphone, téléphone. Il avait dit c'était où? Non, mais ça y est, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, sans téléphone? Oh! C'est ça? C'est ça? Vas-y, on y va, j'en ai rien à foutre. Mais tu m'étonnes que j'ai faim et j'ai soif. Oh! Là-bas. Tu m'étonnes que j'ai faim. Ah, mais c'est le Beniz. Ah ouais, mais non. Ah ouais, mais non, en plus, il y a des gens. Non, je peux pas. Après, j'aurais peut-être pu leur demander de me déposer, quoi. Mais je vois qu'ils sont en train de discuter. Je vais les laisser tranquilles. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de débarquer en ville. Et je cherche un petit moyen de locomotion pour pouvoir aller acheter un téléphone. Ah, bah, si vous voulez, c'est un peu bizarre, mais montez dans le coffre. Ah, vous êtes sûr que je passe, ça? Parce qu'elle est quand même petite, cette voiture. Va falloir vous serrer, mais... Vas-y, emmène-le, vas-y, Ouais. Ok, bah, vous me laissez votre place? Oui, allez-y. Oh, bah, c'est très aimable de votre part, merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. J'ai envie de vous connaître. Ah bon? Oui, votre tête, elle me dit quelque chose. Je suis pas sûr, hein. Je viens de France, monsieur. C'est la première fois que je débarque ici. Ah non, de France. Non, ouais. Je pensais que c'était dans une autre ville, on s'était déjà entendu. Vous êtes? Ryder Scott, mais on connaît ce nom. Ah, ça me dit rien du tout, non, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je suis pas au courant non plus de... J'aurais bien pris votre numéro, monsieur, mais là, j'ai justement pas de téléphone. Je vais aller en chercher un. Je vous le passerai. Et bah nickel. Vous êtes fort aimable en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Bah, pas de soucis. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. Ah, ça fait longtemps que vous êtes en ville, monsieur. On est arrivé. Bah, avec mon cousin, du coup, on est arrivé avant-hier. Ah, oui, ok. Donc, c'est très récent. Vous avez déjà trouvé un petit boulot, des petites choses comme ça? Bah, justement, boulot, on vient de postuler. Hein. Ah, en tant que quoi? OLS Custom, en tant que mécanicien. Ok, ça paye bien là-bas, en toute discrétion? On sait pas, parce qu'on n'a pas encore eu de réponse, on vient de... Ok, d'accord. On vient de poser candidature. Ok, vous pensez que... Je sais pas si vous êtes au courant, du coup, vu que vous venez d'arriver hier, comme vous me dites. S'il y aurait de la place en tant que journaliste au Weasel? Ah, oui, je pense. Ah ouais? Oh, ça m'intéresse fortement, je pense. Ah ouais? Bah, faut y aller voir. Okay. Sur l'intranet, je pense que vous pouvez... Ok, je vais aller voir tout ça. Là, bah, je vous remercie, je vais juste prendre le téléphone et je prendrai bien votre numéro, là. Monsieur. Ouais. Je vous attends là, je vais vous redéposer, il y a une location de véhicule juste à côté. Eh, vous êtes un roi, monsieur. Merci énormément. Pas de soucis. Alors, téléphone. Et c'est les boss. C'est les boss. Parce que là, sinon, j'aurais dû faire tout seul. Là. Oula. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, je vais juste vous prendre un petit téléphone. Oh! 900 balles! Monsieur, vous êtes... Vous êtes un arnaqueur. J'ai jamais demandé un téléphone aussi cher. Moi, un petit téléphone, un petit Wiko, tu vois, ça me suffisait. J'avais pas besoin d'aussi cher, monsieur. Vous m'avez même pas demandé ce que je voulais. Je vais me plaindre, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et comment ça c'est écrit que je viens de toucher 50 balles, là? On est en France ou ça se passe comment à être payé à rien foutre, là? Mais je croyais qu'on était à Los Santos, moi. À Dead. Comment ça, j'ai 50 balles qui tombent comme ça, là? Bon, par contre, cet individu est très malhonnête, hein, monsieur. Hein. Ah ouais, bah c'est cher, hein. 900 balles pour, je voulais juste un simple Wiko, moi. il est complètement fou. Ah ouais, bah non, Alors, par contre, il va falloir que j'apprenne à utiliser ce nouveau téléphone, hein.
Ah, parce que vous êtes nouveau avec la technologie. Bah, disons que en France, c'est pas pareil. On a des appareils un peu plus, on va dire, modestes. Et là, 900 balles le téléphone quand même, monsieur. Hein. Ah, et ben là, faut pas le perdre. 900 balles. Alors attendez, je vais check ça. Comme ça, je prends votre numéro et on est bien là. Allez-y. Comme ça, je vais vous passer le numéro de mon cousin parce qu'il avait l'air de vous connaître, donc. Ah, c'est. Comme ça, et ok. Tu vous rappelleras. Ah, avec grand plaisir. Puis même, si vous avez besoin de quoi que ce soit derrière, vous pourrez nous appeler si vous avez besoin d'un autre métier, journaliste. Si avec grand plaisir. Mais si vraiment journaliste ça ne marche pas, je veux bien vous rejoindre au LS Custom. Ceci. Bah. On verra ça, de toute façon, faut déjà que nous soyons... Oui, bien sûr. Voilà. Bah, non. Attendez, hein, je règle tout ça, et je suis à vous, là, deux petits instants. Vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps. Mais c'est pas... Oula, merde. Oh, vous... Je me contrôle pas, là. Vous inquiétez pas, vous êtes un peu à l'étroit dans la voiture. Oui, voilà, exactement. Bah, voilà. Là, je suis bien là. Ok. Du coup, okay. Votre numéro. Bam. Bah, je vais vous l'airdrop. Je sais pas si vous aviez ça en France, mais. Oh, je ne crois pas, non. Moi, j'étais vraiment sur les téléphones très très modestes. Voilà, je vous l'ai. Alors, vous êtes. Clayton. Et votre nom de famille? Fox. Fox. Attendez, je vais noter ça. Voilà. Puis je vais vous envoyer celui de... Je vais voir airdropper du coup celui de mon cousin. Nickel, Lenny Smith. Exactement. Lui-même. Et du coup, voilà. Comme ça, je vais noter ça. Et puis, bah... Là, vous voyez le monsieur juste à côté. Pour 100$, il vous loue le véhicule. Ok. Pendant un quart d'heure. Très bien. Après, je vous donne une petite technique. C'est qu'il a un peu bête, c'est que du coup, en fait, le traceur de la location, si vous vous endormez, bah, il bug et du coup, bah, il n'y a plus le traceur. Donc, vous prenez une petite location de 15 minutes, hop, vous partez un peu pour plus qu'il vous voit et vous faites une. Je vois que monsieur est très malin. Merci pour les conseils, en tout cas. Bien sûr. Eh bah, écoutez, je vais. Économies. Ah, bah, comme vous dites. Bah, écoutez, je vais voir tout ça. Je vais me renseigner par rapport du coup au Weasel. Si jamais je vous recontacte et on voit ça ensemble, si vous avez réussi à vous faire embaucher et puis peut-être vous rejoindre en tout cas. Mais en tout cas, vous étiez très fort sympathique. Je vous remercie pour tout. Bah, merci vous de même. Et à bientôt. À bientôt. C'était un plaisir. Ah, pareillement, monsieur. Fort aimable hein, dans cette ville. Fort aimable. Ah, alors par contre, les boss, et sans lui, là j'étais dans la merde, je marchais pendant encore une heure là, et c'est les boss, tout simplement. Faut que j'apprenne à maîtriser ce téléphone d'une technologie que je ne connaissais pas. Pourtant, en France, on est bien équipé, hein. Alors, c'est quoi ma sonnerie? Dis-moi que j'ai une sonnerie stylée, par pitié. Ouais. Ok, j'aime bien. Ta 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 ta. Ah mais c'est incroyable là. Attends, c'est quoi ces sonneries de fou? Bah y'a que des sonneries banger. C'est quoi ce bordel? J'adore. Je vais mettre ça. Et du coup... merde, je peux pas modifier message. Ok, tac, 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 tac. Banque, attends, est-ce que j'ai... Oh! Mais je suis riche, en fait! Moi qui pensais que j'étais un petit SDF. No offense au SDF, évidemment. Hein. Tout à fait respectable. Mais... Ah, c'est pour ça que j'arrivais à payer mon petit pain et tout à l'heure. Ok, mais c'est nickel.
1300 balles. Je vais même voir si je peux pas acheter une petite Gova là. Même une Gova de merde. Bonjour monsieur, on m'a dit de vous parler. Si jamais vous pouviez me louer un petit véhicule. Ah. Si vous pouvez me louer un petit véhicule, monsieur. Alors. Un BMX, non, ça pue la merde. Alors attends, il m'a dit de prendre quoi tout à l'heure? Il m'a dit. C'est pauvre! Comment ça je suis pauvre? J'ai 1000 balles quand même! J'ai un petit SMIC là! Attends, il m'a dit que je pouvais prendre une voiture de location 10 minutes et qu'en fait ça pouvait compter plus. Bon! On est reparti là? Attends, mais en plus je suis trop bien là! Il m'a parlé? Bonsoir! Je crois qu'il est au téléphone. Je crois qu'il est au téléphone. Ah, le pôle emploi. Bon, au début, je pense que j'ai pas le choix d'aller au pôle emploi. En plus, ça va m'apprendre un petit peu comment c'est les métiers. Parce que vu que je débute. Bonsoir, monsieur. Ah oui, d'accord, c'est ça vos emplois là? C'est donc ça, Pôle emploi? Ah! Ah! D'accord. Comment ça, tabac? C'est-à-dire, je gère une boutique? C'est quoi ces métiers-là? Attends. Mais attends, mais c'est quoi ces métiers? Mais je veux pas faire ça, moi. On va dire le mieux pour moi, c'est conducteur de bus. Mais je crois que j'ai même pas le permis poids lourd. Vas-y. Allez. Ouvrez le menu F6. Pourquoi ça marche pas? Ok, consulter le point de GPS du métier. Dépôt de bus. Allez. Mon nouveau job. C'est donc là où tout va commencer. Je suis vraiment, j'ai vraiment la teuté d'un chauffeur poids lourd là. J'espère que je vais pas me faire contrôler. Là, je roule quand même assez vite. On respecte quand même un minimum. Taffe-nous un drift. Ah, mais c'est juste à côté. Allez, aucune égratignure. Le concept, il pourra rien me dire. Ah. C'est donc ici où je dois bosser. Non, vraiment, là? Oh. Mais j'ai pas mon permis poids lourd, là. Je suis dans la merde. Oh, je viens de détruire ma location, là. Allez. C'est mon nouveau job. Ça commence vite, hein, Pôle emploi. Hein. Ça te laisse pas le temps de souffler. Bonsoir, monsieur. Oh, 80, 97 balles. Oh là, et c'est une course de fou, là, que vous me faites faire, monsieur. Oh! Monsieur? Je vais en assistance sans personne en danger ou pas là? Bon, allez, moi j'ai du boulot, hein! Fuck! Le mec!
Il en a rien à péter. Allez, je m'en bats les couilles, moi. Allez, monsieur, je m'arrête pas pour vous, hein. C'est pour vos 97$, hein. Le temps, c'est de l'argent, exactement. Tant pis, monsieur, hein. Je grille tous les feux, j'en ai rien à péter. On est bientôt arrivé, monsieur. Par contre, les rues sont vides à Los Santos. Oh. C'est les familles. Et voilà, monsieur. Merci d'avoir pris ce moyen de locomotion. À bientôt, monsieur. Non, mais attends, je vais vraiment devoir faire ça pendant je sais pas combien de temps, là. Non, si je rentre là, c'est dans le quartier, je suis dans la merde. Quoique. Attends, je suis pas sûr. Oh là là, faut pas que je tombe face aux gens du quartier, hein. Oh, je suis tellement dans la merde, sinon. Allez. Vous pouvez avancer, monsieur. Bon, tant pis. Je vais passer par là-bas. Bon, bah, tout se passe correctement. Hein. C'est juste un peu long, quoi. On doit faire course par course. On peut pas prendre plein de gens à la fois et se faire un maximum d'oseille d'un coup. Ça, c'est dommage. Voilà, le but ultime, je vous dis, les gens. On économise un maximum. On s'achète une petite Gova. Et on essaye après de postuler au Weasel News. Parce que si à chaque fois je dois faire journaliste et j'ai même pas de voiture et c'est la galère, ça va être problématique. À moins qu'il y ait une voiture de fonction au Weasel. Hein. Ah, un nouveau client! Bonjour, monsieur! Ah, vous voulez pas monter? Ah, madame, pardon! 88$! Très bien, je vous emmène. Mais là, je fais du farming, là! Oh, mais c'est juste à côté, en plus! 86 balles pour être juste à côté! Mais c'est merveilleux, ça, madame! Je vous veux tous les jours, moi! Merci pour vos 86 balles. Attends, je vais pas faire ça toute la soirée, là. J'en peux plus, moi. C'est quoi, j'en fais encore 2-3, là. Et je m'arrête là. Parce que sinon, ça va être trop long. Putain, faut que je bouffe! Bon, soit c'est pas compliqué, quoi. Ah, mais je reviens là où j'étais tout à l'heure. Incroyable. Oula, désolé, madame, je vous ai fait peur. 111 balles. Oh, vous êtes ma meilleure cliente de la journée, madame. Allez. J'espère que c'est pas trop loin. Oh, mais non, c'est juste à côté, madame. Vous êtes exceptionnelle. Vous êtes exceptionnelle. Donnez-moi un peu plus d'argent comme ça tous les jours. Et vous êtes la reine de la villa. Et hop, voilà, on est déjà arrivé, madame. Vous saviez pas faire 2 mètres, hein, quand même. Oh là, y a pas d'arrêt, là. Hop! Allez, j'en fais encore un. Et on s'arrête là, hein. Parce que là, les boulots lambda, c'est pas pour WAM. Moi, je veux des interactions, moi. On n'est pas là pour jouer solo de notre côté. Oh. Attendez, je viens d'avoir une idée de fou.
Je peux pas drift avec un bus, les gens. En plus, tu vas démissionner, j'avoue. Oh, y'a un autre bus! Collègue, vous pouvez avancer là? Collègue? J'ai un client là derrière moi là. Il dort là ou? Attends, y'a personne dans son bus. Mais non, je vais péter mon crâne. Il a fait comme moi, il a fait sa dernière course. Mais non, mais. Mais non, mais on s'arrête pas là là, c'est quoi ce bordel? Mais non, mais non. Bon, tu sais quoi, je vais dégager son petit bus là. Je vous prends dans un instant, monsieur. Hein. Hop. Et voilà. J'ai interverti le bus. Ah. Bon, au moins, ça m'aura fait 400$, un truc comme ça. C'est pas mal. En plus, c'était juste à côté, quoi. Ouais. Ah, faut que je monte sur le trottoir, carrément. Et voilà. C'est une fin de journée pour moi. Putain, elle était où, ma bagnole? Je me souviens même plus. Oh, merde. Oh merde! Je vais quand même pas rouler en camtar toute la soirée là. Je sais plus. Oh non! Hop. Ok, c'est derrière moi. Et je peux pas faire retour en arrière? C'est bon, c'est bon. Nos problèmes. Bah, c'était une bonne journée de merde. Hein. Une bonne journée de merde. C'est ma première journée dans les rues de Los Santos. Je tombe dans le coma. Oh, ça passe pile au vert. Je tombe dans le coma. J'ai fait des petites rencontres sympathiques. Personne très fort aimable. Mais c'est ce que j'entrevoyais, quoi, en venant ici. Oula, 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 oula là là là. Eh, j'ai pas mon permis poids lourd, moi. Hein. Oh, il y a un livreur de glace. Un petit camion de glace, hein. Non? Je sais pas. Merde! Là, là. Heureusement qu'il n'y a personne dans cette ville, hein. Non, j'aurais été dans la merde. Allez, hop. Non, là, il me faut du contact social, les gens. Il me faut du contact social. Ah. Voilà, de retour. Bon, je vais vite démissionner, c'était vraiment un taf de merde. Hop. Ah. Ah. Ça marche pas. Ah. Voilà. Bon, ouais, vrai petit taf de merde. Attends, je vais vite fait... Merde. Je vais vite fait retourner au Pôle emploi. Oh putain, j'ai éclaté ma bagnole de location, j'ai trop le seum. Par contre, elle roule bien. Ok, Pôle emploi. Juste à côté. Ah ouais, elle roule bien. Je sais pas combien ça coûte, ça, in-game.
Allez hop. Il me reste combien de temps de location? Il se régale lui avec son scooter là. Allez hop. On est de retour. Je vais voir si je peux parler du coup au mec que je pouvais pas parler tout à l'heure. Au cas où, tu vois. De toute façon, il va me donner une augmentation là pour tout ce que je viens de faire. Jean monsieur. J'ai fait tous les petits boulots que vous m'avez demandé. J'ai ramené des papis, des mamies. L'argent, ça a fait pa-pa-pa. Et j'ai le droit à une petite augmentation là. Je sais que c'est mon premier jour, mais quand même. Non ? Je vais me faire foutre, très bien. Bah ça va pas se passer comme ça. Hein. C'est vraiment des métiers de merde ici, hein, je trouve, monsieur. Hein. Je crois que je vais quitter ce petit taf là. Hein. Franchement, monsieur, je vais plutôt postuler ailleurs si ça vous dérange pas. Donc c'est avec grand plaisir que je vous donne ma démission. Voilà. Et vous me reverrez plus jamais au Pôle emploi. Hein. C'est fini ça. Tout ça pour gagner 400$ quoi. Qu'est-ce que je fais de 400$? Oh, putain, faut que je bouffe. Ok, je vais me prendre un petit pain. Nom, 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 délicieux ça. Ça manque un peu de goût. Petit capricorne là. Ah. Attends, comment ça m'a pas régène? Enfin, ça m'a pas. Oh, ça m'a pas coupé la faim. J'ai encore faim de fou, hein. Moi, je pensais que ça calait le pain, c'est. Ah. Ah, mais ça cale pas du tout le pain. C'est quoi ce bordel? Je crois que je vais retourner racheter à manger. Pour pas être dans la merde. En fait, il faut toujours avoir un énorme stock sur soi. Faut vite fait que je passe au concess. Attends, c'était où déjà les boutiques? C'est où j'ai acheté mes trucs? C'est là, je crois. Enfin, je crois qu'il y en a un juste là. Je sais pas ce qui se passe avec les keufs, là. Mais ça se passe, en tout cas. Ouais, je vais graille, là. On cherche une petite Gauvin. Et faut que je trouve du monde, quoi. Je trouve du monde. J'ai pas envie de rester solo dans cette ville. Faut que je fasse des rencontres, là. Oh! Magnifique. J'espère qu'elle va pas dépop. Enfin, la fourrière va pas récupérer ma voiture, hein. Parce que... ah, ça me mettrait dans l'embarras. Bonjour, monsieur! Ah, mais attends, mais... On vous a déjà dit que vous ressemblez au même vendeur que là-bas, là. J'ai la même teuté, les mêmes magazines derrière. C'est... Ok. Bah, du coup, je vais vous prendre des petits trucs, là, si vous avez, monsieur. Ah, ok. Voilà. Je vais vous prendre. Je vais vous reprendre la même. Hein. De toute façon, on est pas mal là. Je sais pas, je vais en prendre. Oh, il y a des gens. Je vais en prendre 10. C'est pas mal. Je vais prendre de l'eau. J'espère que ça hydrate bien. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va et vous? Ça va. C'est où se trouve la boutique Little Sea? Alors, je vais être très honnête avec vous. Je viens d'arriver. Je m'acclimate aux environs. Donc, je pourrais pas trop vous dire exactement où se trouve. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ouais, les Chinois. Oui, bonjour. Ouais, on n'est pas en Chine. Hank, hein. Tu sais où se trouve le magasin de tes frères? Little Sea, là. Bon, bonne soirée, messieurs. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée, bon courage. Merci. T'es pas de quoi, non? Oh!
Pourquoi il y a une grand-mère là sur la route? What the fuck? Attends, j'ai trop envie de parler à la grand-mère. Ah mais je crois que c'est... Ok. C'est un moldu. Merde, putain, je pensais que c'était une vraie grand-mère. Bon. Ok, il faut concession là. Concession. Concession à tout prix. Je veux ma petite voiture. Et après, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Voiture, c'est quoi ça? Location de véhicule. Ça, c'est concession, hein? C'est taxi. C'est où les trucs de concession? Non, je vais bien trouver. Concession, LS Custom. Garage, pharmacie. Restaurant. Superette. Agent Imo. Putain, il faut que je trouve aussi un appartement. Au pire, tu sais quoi? J'achète une Gova. Je dors dans la Gova pour les prochains jours, là. Et après... Et après, je prendrai un appart. Je sais pas où c'est. Oh! Ok. Let's go. Let's go! J'espère qu'il y a des... Attends, mais par contre, j'ai combien de balles, là? Ah! La banque. C'est où la banque? Ah merde! Mais attends, mais qu'est-ce que je vais acheter avec 1000 balles, moi? Je vais rien acheter avec 1000 balles! Je suis même pas sûr d'acheter un vélo à 1000 balles! Je suis dans la merde là. Oh! Non, ça y est, je commence à redevenir fou là. J'ai l'impression que... On est dans Harry Potter. Je crois que je deviens fou vraiment là. Qu'est-ce que... Ah bah, oui, c'était dans ma tête, bah c'est normal hein. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je crois que c'est le jet lag là, entre la France et Los Santos. Je dois être fatigué. C'est sûrement ça, ouais. Putain, en plus, je me suis fait dépouiller 900 $ à cause du téléphone là. Ok. Vas-y, on va voir. Y a quelqu'un ou pas? Bonsoir. Ok, bon. On va déjà regarder les véhicules. Alors, on va dire un petit véhicule qui coûte pas trop cher. Oh, ça va! Mais attends, mais ça va! Non, vraiment, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Non, ça va de fou. Ah, ça va beaucoup moins de fou, là. Moto, je veux pas de moto. Un van, c'est combien? Ah oui, d'accord. Je crois qu'on va rester sur les petites voitures compactes. Celle-là, elle fera très bien l'affaire, celle-là. 2500 balles. Ouais. 2500 balles. Et bah, il me manque 1500. Aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est quoi ça? 12 000 balles pour cette bagnole de merde? Non, c'est pas possible. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces prix de fou, là? Ah ouais, ils se mettent bien, les concesses.
C'est quoi ces prix de fou là? Mais attends, mais faut être millionnaire en fait pour vivre dans cette ville. Non, non, c'est pas possible. Ok, très bien. Bah je reviendrai du coup. Hein, avec 1500 balles en poche. Et du coup, je suis dans la merde là. Je suis dans la merde. Mais comment je me fais du fric? Deviens flic en vrai. T'es renta, t'as même une arme, une voiture. Ah, vas-y, mon gars, lève tes mains. Sors ta voiture. Oui. Sors ta voiture, lève tes mains. Monte à l'arrière. Donne-moi ton tel, ta radio. Je vous donne. Vas-y, monte. Oui. Oh merde. À l'arrière. Ouais, tout de suite, oui. Allez-y, montez, je vous jure, je monte. Me faites pas de mal. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Ah bah voilà. Enfin, des petites scènes, j'en pouvais plus, moi, j'étais tout seul dans mon coin. Ouais. Je crois qu'ils vont faire un braco. Ils vont faire un braco, ils ont besoin d'otages. 100%, c'est ça. Vous comptez faire quoi de moi? Tu vas très vite le savoir. D'accord. C'est 100% un braquage. 100% il faut un braco. Putain, et moi je suis tombé pile au mauvais moment. C'est pour ça qu'il y avait une voiture qui faisait guetteur tout à l'heure. J'ai vu une voiture... J'aurais pu crier à l'aide là. Regardez, c'est leur guetteur, je crois. La voiture violette. Ils vont braquer la bijouterie, je crois. Bah, en fait, le problème, c'est que si je fais flic, ou si je fais dans l'illégal, le problème, c'est que... En fait, vu que je débute en RP, c'est compliqué, tu vois, d'apprendre les touches par cœur, de menotter des gens, faire ci, faire ça. Enfin, c'est compliqué pour moi. Je pense que peut-être, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours-là, une fois que je serai bien habitué, là, je vais voir ce que je vais faire. Mais pour l'instant, c'est hoche, quoi. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils foutent? Arrête-toi. Ah ouais, ils font un méga... Descends mon gars, descends. Bah non. Au secours. Oh. Ça va, monsieur? Je crois, oui. Ah. Ça va, vous allez bien? Je crois, oui. Putain, il est... Je suis tout retourné, là. C'est le cas de le dire, là. Ouais. Non, mais ouais, mais là ça... Pour le moment... Je commence à m'acclimater un petit peu, et une fois que j'aurai un tout petit peu plus d'expérience, que j'arriverai à bien maîtriser les touches et tout, on va voir ce qu'on fait si on part dans les... Ouais, je crois que j'ai des hallucinations, je viens de voir un truc voler là. Ouf. Au secours, la police. Au secours, la police. Au secours, la police, on m'agresse. Oh, lui va se faire soulever. Lui, il va tellement se faire soulever. En vrai, moi, je voulais une scène RP, donc en fait, j'ai tout de suite accepté. Et puis de toute façon, il me braquait, tu voulais que je fasse quoi? J'allais pas dire, ouais, non, je m'en bats les couilles, je sais pas quoi. Il est à droite. Par contre, c'est long, là. Je pourrais m'échapper? Oh non! Oh non, j'aurais pu m'échapper! Merde. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. Non, je veux pas, vous allez me faire du mal. Vas-y, monte. Il a pas le choix. Mais pourquoi vous faites ça? Je suis nouveau dans la ville. Dépêche-toi, lève-toi. Plus vite tu montes, plus vite ça sera réglé. Je me sens pas bien. Vas-y, dépêche-toi. Médecin.
Épilepsie. Vas-y, vas-y, lève-toi. Lève-toi. Ils en auront rien à foutre. Lève-toi, wesh. Monte dans la voiture. C'est cool, je vais me faire un pote. Comme ça, on sera deux dans la merde. Lève-toi, on t'a dit. Je crois il est pas bien, le monsieur, hein. Eh, hey, loulou. Je t'envoie une pause, viens vite. Ah non, mais non, j'aurais trop voulu RP avec lui. On aurait été deux dans la merde. Ah vas-y, casse ses couilles, il veut juste pas jouer sa scène, le mec. Allez, frérot. En plus, il a dit que c'était sa première journée, je sais pas quoi, là. Allez, on t'offre une scène, le mec, il veut pas. Je suis qu'avec nous dans la voiture, t'as pas besoin de manger, hein. Je veux bien à manger et à boire, s'il vous plaît. Descends. Si tu veux, moi j'ai, hein, si t'en as pas. Moi, il y a des gens ici qui sont plus... Attends, ah bah, je me fais braquer, c'est la moindre des choses de coopérer. C'est quoi. Normal, t'es d'accord avec nous, du coup. Ah oui, oui. Voilà. Ah, merci beaucoup. Bah, regarde, il y en a un, il le fait pas, lui. Monsieur, je sais pas si là, vous êtes vraiment en danger, mais... En gros, il a une arme sur la tête, il s'emballe avec le mec. Ah non. Non, mais attends, t'inquiète pas. Toujours pas. je remonte. Hein. Merci à toi de coopérer quand même. Ouais, je vous en prie, c'est... j'ai pas trop le choix, quoi. Surtout qu'on est pas méchant, donc du coup, je vois pas. Ouais. Non, vous me braquez juste, quoi, mais c'est, voilà, c'est rien de. Voilà. Pas, on va pas te tuer, on va rien. Oui, faire. C'est. Je comprends pas pourquoi. Oui. Son biscuit. Comme ça, là. Ah, recule pas trop, non, s'il te plaît. Recule pas. Putain, j'ai réussi à gratter un petit pain et de l'eau. Let's go. Si je peux au moins gratter un truc, quoi, parce que là, c'est du temps perdu, là. Là, je perds des thunes. Au moins, j'ai un petit truc à graille. C'est cool. En vrai, j'avais de quoi bouffer. Bon, c'est long, là. Vous voulez toujours pas vous lever? Ouais, j'avoue, il disait rien de dangereux. J'ai juste une arme contre la tempe, mais c'est pas... Non. Vous êtes sûr que vous voulez l'attendre? Parce que j'ai l'impression que ça va être très très long, là. C'est bon. Non, ouais. Mais tiens, c'est bon. On n'a plus qu'à attendre et... Prends sa voiture, viens. Super. Ouais, parce que là, putain, on aurait pu rester 1000 ans, quoi. Mais tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais essayer d'être pote avec le mec qui sera pris en otage. Vu qu'on va vivre la même histoire... Ah, t'es pote, Théo. Je vais essayer de me faire pote avec lui. Je te vois. Ouais, on t'expliquera. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Du coup, faut qu'on en retrouve un. Ah ouais, ils l'ont kick. Enfin, c'est même pas ils l'ont kick, ils l'ont ban. Il a pas voulu jouer sa scène. Ok. Waouh, en plus, il a explosé le bus. Bon bah, RP victime, hein. RP victime. Demande-leur si tu peux te dégourdir les jambes. C'est bon. Ah, ils vont mettre le coup de pression au taxi. Là, le prochain mec qui arrive, c'est peut-être mon prochain pote sur le RP, les gens. Hein. J'espère que c'est un bon gars, là. Faites que ce soit un bon gars, par pitié. Par pitié. Là, mon destin va changer du tout au tout, là. En fonction de la personne qu'ils vont choisir. Ah ouais, c'est comme ça qu'il le piste. Bouge pas. Ouais, descends. Donne-moi ton téléphone, ta radio, monte dans la voiture. Vas-y, donne-moi tout ça. Bah normalement, vous êtes vas-y, pas, nickel, non, en service, les gars, non? C'est juste une petite question, hein, tranquillement. T'as pas remis ton taxi, ouais? Non, mais bah non, parce que vous avez pas le droit, normalement je suis en service.
Bah, tu veux le fermer? Bah, je vais même faire un petit message là-haut parce que vous avez pas droit. Ah ouais, non mais là, on en a plus rien à foutre, quoi. Ah oui, d'accord. On en a plus rien à foutre. Je suis fair play pour vous, mais normalement, vous avez pas droit. Ah oui, d'accord, le RP a plus rien à foutre, là. On en fout la HRP, là. On se rejoint là-haut. Je sais pas si j'essaye de chuchoter avec le mec. Ou est-ce que j'attends qu'on soit dans la bijouterie ou la supérette ou je sais pas quoi. Hello à Panda. Hello. Ah ok, c'était la bijouterie. 100% c'était ça. Ok. Vas-y, descendez les gars. Suivez-nous. Merde. Toi en blanc là-bas. Ouais. Rentre dans la bijouterie. L'autre là-bas il rentre dans la bijouterie, mais je garde celui-là. Dans la bijouterie. Excuse-moi pour l'attente. Ouais, bah écoutez, pas de soucis. Hein. Tiens, cadeau. Oh monsieur. Oh bah je veux bien être votre. Votre. Non, voilà, c'est hein, pour, tous c'est les jours. C'est pour l'attente et c'est pour le dérangement de l'autre connard. Là, pas de soucis, hein. Là, braquez-moi tous les jours si vous voulez. Hein. Non, ça sera pas tous les jours. Vas-y, rentre dedans, gros. Merci pour toi. Pas de soucis. Merci pour nous avoir aidés. Le loup, deux secondes. Ouais. Non, je lève quand même les bras en l'air, cas où. Bah bon, braquage à vous, du coup. Il est trop fort à manger, frérot. Bah, je veux bien juste à boire, là. Tiens, t'inquiète. Ah, merci beaucoup. Là-dedans. Merci. Bien, monsieur. Ouais, dites-moi. Oh, c'était juste pour savoir si vous allez bien. Ouais, ça va. Juste dans la merde, quoi. Mais ça va, quoi. Sérieux? Ouais, non, c'est de la merde. Ouais, c'est clair. Ouais. Putain, moi, je voulais travailler, moi, de base. Ah, mais moi aussi, je venais de finir mon service et je me suis fait braquer comme ça, là. Tu travailles dans quoi, toi? Ah, bah, je venais juste de faire chauffeur de bus, mais. J'ai démissionné. Ouais, ça gagne pas assez, ça gagne pas assez. Et vous, taxi du coup, est-ce que j'ai vu? Moi, je taxi, ouais. Ok, ça faisait longtemps que vous étiez en ville? Ça fait longtemps que vous êtes en ville? Mais je viens de me réveiller, putain. Ah, putain, mais moi aussi, je viens tout juste là. Je viens tout juste de me réveiller, et puis là, on me prend en otage. Juste pour une putain de bijouterie. Mais oui. Putain de bordel. Je vais pas lui dire qu'ils m'ont donné des thunes. Je vais le dire. Plus, vous avez pas vécu ce que j'ai vécu, mais c'était plutôt très très loin. Ils ont voulu prendre un mec en otage, le mec il a pas voulu. Du coup, je sais pas ce qu'il est advenu de cette personne, de cet individu. Mais c'était long. Là, ça fait facilement 20 minutes que j'attends, quoi. Et ouais. Ah ouais, mon pauvre. Et j'en peux plus, là. J'ai envie de m'ouvrir les veines, quoi. Ah ouais, non, touffe pas les veines. Ah ouais. J'espère que ça va être court, là. Ouais, j'espère aussi, ouais. Mais on m'explique pourquoi les flics ne viennent toujours pas, parce que bon, il y a quand même des caméras de surveillance ici. Je sais pas du tout. Ils sont cagoulés. Je sais pas du tout, mon pote. Bizarre. Bon, bah maintenant, on devient frère de personnes dans la merde, quoi. Ouais, frère de braquage. Voilà, tu m'as compris. Voilà, exactement. Je prendrai bien votre numéro après si vous voulez. Vous m'avez l'air super sympathique. Non, t'inquiète, c'est bon, merci beaucoup, madame. Ça va, merci. Non, merci beaucoup, madame, c'est gentil. T'inquiète. On m'a déjà donné. Ah, pas de soucis. Merci beaucoup. Et au cas où, je préfère redemander. Ah, c'est gentil, c'est gentil, merci. Je me suis permis de prendre un petit fauteuil de la bijouterie pour m'asseoir. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Ah, vous êtes bien à l'aise. Je pense que ça va être long, hein, donc. Ouais, j'ai l'impression aussi là. Mes aises, hein. Ah, franchement, vous êtes bien là, vous avez raison. Ouais. Faites comme chez vous, quoi. Ouais, je fais comme chez moi, tranquillement.
Par contre, tu t'es couché ta mère pour t'installer ? Non, excuse-moi. Ah ouais, parce que je croyais que t'es braqué, donc du coup, au bout d'un moment, tu devrais avoir peur. Ah oui, mais j'ai peur, monsieur. Ouais, mais tu devrais avoir peur, logiquement, je sais pas, c'est un peu logique. Bah oui, bah... Attends. Oh là 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 là. Comment il fait pour s'asseoir aussi vite ? Ah putain, j'aime pas quand c'est sur moi. Je pense qu'ils vont rien nous faire, ils voulaient juste... Oh. Je pense qu'ils vont rien nous faire, de toute façon ils ont besoin des otages pour pouvoir partir, donc... Ouais, je pense aussi. Et du coup, avant qu'il se passe tout ça, je disais... Après, je veux bien votre numéro, parce que vous m'avez l'air fort sympathique, monsieur. Ouais, y'a pas de soucis, mon chef, t'inquiète. Ouais. J'avoue, il s'est mis trois lettres. Ça fait peur déjà, là. Ils vont prendre tous les bijoux, là. Oui, oui, ils vont tout braco, là. Il va y avoir une course-poursuite, j'ai l'impression. Ça va être... On va se croire dans un film. Oh là là, ouais. Dans un film comme les CRA, comme les... Ouais, ouais. Et tout ça. Ouais, wow. Et puis et ça va partir en course-poursuite en mode Fast and Furious, je sais pas si vous connaissez. Oh là là, ouais, ouais, ouais. Ouais, okay. Ouais, ouais. Ça va être un vroom-vroom. Ça fait peur, putain. Ouais, de fou. Ouais, bah on va faire ça, on va relâcher l'autre là-bas le taxi vu qu'il est en action. Ah, je crois qu'ils vont te relâcher, putain, moi je vais être dans la merde. Mais non. Non. Reste avec moi. N'aie pas peur. Non. Tranquillement. Reste calme, mon frère. Ok. Ouais, c'est long par contre. C'est long. Ah, j'adore là. Ça y est, je commence enfin à kiffer de fou. Avoir enfin du contact, c'est ce qui me manquait en fait tout à l'heure. Il me fallait du contact. J'étais trop dans mon coin depuis tout à l'heure. Du coup, toi qui es là, toi tu peux repartir. Oh, merci monsieur. Que ça fonctionne pas ici. Oh, merci beaucoup. Et toi, je vais te garder, toi. Y'a pas de soucis, mon chef. Force, mon frérot. Force. On se retrouvera bientôt, j'espère. Mais on va pas le tuer, on t'a pas tué, toi. Oui, non, mais je... Il m'a compris. Alors, ouais. Ou alors, tu veux continuer avec nous, tu fais comme tu veux. Vous en avez encore pour longtemps, là ? Non, bah, ici, ça fonctionne pas, je vais faire autre chose. Ah. Du coup, on va te suivre, du coup. Ouais, bah, je vais rester avec monsieur, alors. Ok, bah, les deux veulent rester, donc... En plus, ça va m'arranger, je vais pouvoir gagner de l'argent. Allez, en plus. Excuse-moi pour tout à l'heure, mon chef, parce que je viens de grandes instances. Du coup, moi, je savais pas que vous avez droit. T'inquiète, y'a pas de soucis. Je le kiffe trop, le mec. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas. Ça va devenir mon poteau sûr. Ouais, je le serai pour la prochaine fois. Je suis vraiment désolé. T'inquiète. Je suis quelqu'un de sympa, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, t'inquiète, allez, go. Vas-y, faut les suivre. Et tu vois, je suis resté avec toi. Merci beaucoup, mon chef. Vrai frère d'otage. Attends, faut passer par là, je crois. Attends, faut lever nos mains. Ah bah oui. Ah bah oui, Ah bah oui, oui. Malheureusement, il est mort. Ah ok, bah on va faire ça, et les deux gars ils veulent rester, donc du coup on va faire ce qu'on a à faire. Bah faut juste aller rechercher dans le nord, quoi. Et bah on va aller là-bas. J'ai accepté, c'est juste pour rester avec le gars, parce que j'ai peur de le perdre. Bah oui, je connais là. Et il a l'air trop sympa. Bah qu'une voiture, non. Vas-y, bah les gars, montez. Allez. Johnny. Vas-y, passe de l'autre côté, excuse-moi mon chef. Ah, pas de soucis. Tu arrives ? Ouais. Allez, casse les vite, y'a pas. Ouais, voilà. Putain, ma manette, elle marche plus. Non, au moins ça me fait une scène, les gens. Ça me fait une scène et... Parce que là, si je repartais, j'allais faire quoi de plus ? Moi, ça me fait une scène. En plus, je peux rester avec le mec. Je vais prendre son contact après. On va rester, potes, je pense. Ouais, puis comme ça, au moins, on voit un peu ce que ça donne. On fait celle qu'il y a sur la côte ? Les braquages. On voit s'il y a beaucoup de flics sur le serve. Tout en haut. Mais après, petite question, les gens. Une fois que je serai bien installé sur le jeu et tout, vous aimeriez qu'on parte plus sur du légal ou de l'illégal ? Oh ! Excuse-moi. Parce que je sais pas du tout, en vrai.
Je sais pas du tout. Sur la route, là. J'ai peur que LSPD ce soit trop compliqué, tu vois. Il y a trop de trucs à apprendre alors que être dans l'illégal, je pense que c'est un peu plus facile. Tu fais ce que t'as à faire et hop, tu te casses quoi. Et après, course-poursuite et voilà. On verra. Ou ça se trouve, je peux rester dans le rien du tout. Hein. Ni flic, ni dans l'illégal. Attends, les gars. Mets la plaque en fonction qu'ils voient pas. Vas-y. Passer le carreau là-bas et aller derrière le comptoir. Ah, j'y avance. Ah putain, c'est porte de merde. Ouais, et les gars, mettez-vous là-bas au pire. Ça vous oui, monsieur. Ok, monsieur. Ok. Abaissez les bras, les gars, ça sert à rien de les avoir lavés. Ok, pas de soucis. Je vais essayer de regratter à boire et à manger. C'est que du bénéf. Ça fait peur, putain. Ouais, ouais. Et... je sais pas ce qu'ils attendent, là. Tu te rends compte, ils vont pirater notre compte. Oh non. Quoi? Ah ouais, tu vois le coffre, là, derrière, là. Ouais. Je pense que c'est là où il y a tout notre argent, hein. Mais non. Mais non, mais comment je vais faire? J'ai tout mon argent en banque. Tu sais, ça, c'est... les banques ici, c'est les petits citoyens de Los Santos. Ils viennent tous ici pour... déposer leur argent dedans. Non. Et tu penses que mon argent est là-dedans aussi? Non, t'inquiète, tranquillement, t'inquiète pas. Ok. Je pense que toi, t'es dans une autre banque, tranquille. Ouais, j'ai déposé au centre-ville, moi. Ah ouais, c'est nickel, c'est bon. Ouais, parfait, alors, parfait. Et comment il... cette banque-là, je l'aime pas, cette banque-là. Ça sert à rien. Ah ouais, bah ouais, j'avoue, elle est située un peu bizarrement, là. Ouais, elle est un peu con. Merci. En plus, le banquier, il est pas aimable. Bon, tu l'as déjà vu? Non, il est pas aimable. Ouais. Les gars, vous avez faim? Je veux bien de nouveau juste... Non, monsieur, non, monsieur. À boire, par contre. Non, bah, monsieur. J'arrive. Je les encule à fond. Mais les menus que je t'ai passés, ça te donne à boire aussi. Ouais, mais allez. Du coup, vu que j'étais super bas, là, j'en ai un petit peu besoin, quoi. Ah, ok. Lève les bras, celui-là qui veut. Viens devant moi. Hop, le deuxième, merci beaucoup, c'est pareil. Monsieur. Le taxi? Non, merci, monsieur. T'es sûr? Oui, monsieur, sûr. Okay. Je t'ai baisé, mon gars. Je t'ai baisé. Je suis en train de rafler tous les menus burgers, là. Attends, je vais lui dire. Va s'ouvrir cette porte de mort. Attends, recule. Trop malin. Tu sais ce que j'ai fait? Ouais, dis-moi. C'est bon. Attends, tu penses qu'ils m'entendent là si je chuchote? Merci. Non, ils t'entendent pas. Vaincu face à la porte. Ah ouais. C'est bon vous les gars ou pas? Je suis en train de leur enculer tout. C'est pas grave. Putain de bordel, merde. Je suis en train de leur enculer tous leurs burgers. Je sais pas. Je te le dis, moi. J'avoue, je suis un putain de rat, là. Putain, ça m'a fait pleurer de rire, quoi. Chaque fois, ils disent hey, « t'as faim, t'as soif ?» Je fais « Ouais. » Ils vont être à court, là. Putain, je pleure de rire. Bon, c'est pas trop abusé si je leur... Non, demande pas, mon frère. Ok. Abuse pas trop. Si tu veux, moi, j'en ai. Si tu veux, moi, je veux bien, mais... Ah, non, je veux juste les... Non, en fait... J'ai pas envie non plus que... Ouais. T'abuses. Ouais. Vu qu'ils nous prennent en otage, je voulais juste leur enculer un petit peu... Un burger, quoi. Ouais, tranquille, mais... Ouais, non, mais non, t'as raison. Ouais, en vrai, c'est pas RP, les gens. Je peux pas avoir 10 000 menus sur moi, quoi. Ils ont empoisonné leur burger. Ouais, t'as raison. Il y en a la merde, hein. Ah ouais. Ah oui, en fait...
Ah, tu penses que je peux les manger quand même? Ça, ils en ont, on sait jamais. Hein. Ok. Je vais essayer. En vrai, je vais juste bouffer ce qui est à moi, quoi. Là, t'es en train de boire une bouteille d'eau, là. Ouais, mais ils m'ont donné ça aussi. Ça va, l'eau, elle était potable. Ça va. Un petit petit arrière-goût de renfermé, mais je sais pas où ils l'ont foutu, mais... Ah. À mon avis, dans le coffre de la voiture depuis très très longtemps. Ouais. Tu penses qu'ils ont déjà tué des gens? Ouais, je pense, hein. Oh, merde. Oh là, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Oh non. On est sauvés. Ouais, j'ai vu. Oh non, je veux pas partir sans toi, moi. T'inquiète pas. Après le braquage, on a encore envie. Ouais. Ouais, bah tu veux y aller ou j'y vais? Oui, bah... Faut aller voir les messieurs, je pense que la police. Vas-y, j'y vais. Vas-y, viens avec moi. Attendez. Il vient derrière moi. Arrête-toi là. Bonsoir. Et moi, il vous entend. Bonsoir. Je crois qu'il a des problèmes. Attendez. Ok, bon, on va avoir du renfort qui va arriver, ok? Donc, monsieur, ok. Bonjour, monsieur. Bonsoir, alors, monsieur. Dis, ça va. Je veux savoir, tout va bien? Ça va, et je suis bien nourri, tout est bien. Pour le moment, ils m'ont pas fait de mal, ni à mon collègue derrière. Tout va pour le mieux. Ok, parfait, vous appelez comment? Je m'appelle Lenny Smith, monsieur. Ok, parfait, je peux voir le deuxième otage, s'il vous plaît? Allez, rentre celui-là. Rentre. Vas-y, celui-là. Niaus, ramène le deuxième, s'il te plaît, et rentrez celui-là. Putain, il allait me dire un truc. Il allait me dire après le braquage. Je suis sûr qu'il allait me proposer du taf ou je sais pas quoi. Je vous dis, ça va être mon gars sûr, le gars là. Je pense que ça va te donner envie de regarder des vidéos YouTube. Bah, le Gremlins, ça fait, comme je l'ai dit au début de live, depuis 2017 que je consomme que du GTRP sur internet, sur Twitch ou sur YouTube. Je surkiffe sa mère. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur GTA. Donc t'inquiète, je sais que c'est hyper addictif GTRP. Saute, s'il te plaît. Tu voulais me dire quoi que je devais aller là-bas? Si on n'est pas mort, rejoins-moi au taxi après. Le parking des taxis. Ok. Ça, je te donnerai mon numéro de téléphone. Ok, vas-y. On fait ça. Ok. Si on n'est pas mort avant. Ok. Je t'attendrai là-bas alors. Parking des taxis. C'est où? Parking des taxis. C'est ça là? Dis-moi que c'est ça, par pitié. On est d'accord, les gens, c'est ça, un parking taxi? Je pense, hein, de toute façon, il n'y a pas 36 000 taxis. T'appelles comment? Denis Smith, et toi? Un otage peut venir, s'il vous plaît? Vas-y, j'arrive, vas-y. Vas-y. On attend qu'il fasse, non?
coup, tu peux pas enlever tes trucs. Non, du coup, ils vont garder le mec. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Mais attends, mais quoi? Ils ont mis des barrières et tout. Ils ont mis des herses. Maintenant, mais là, c'est abusé. Non, c'est abusé. Les herses. J'avais bien raison. Ouais. Non, ils abusent, les flics, là. Ils abusent. Ah, bravo. Oh là là. Oh là 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 là, moi je suis fatigué. Le capitaine va pas. Bon, on est tranquille, je vais le chemin de cause si c'est lui qui conduit. Il y a moyen de moyenner au pire. Oh là, oh là, oh là. Dès que le capitaine revient, il va être embauché, je pourrais le retirer. De toute façon, vous n'avez pas parti sur votre farci. Bah non, bah heureusement. De toute façon, dès que le capitaine revient, les barrières vont être retirées, donc en tout cas, vous ne roulerez pas sur les trottoirs. Ouais, bah j'en doute bien. Oh, je suis fatigué. Bon, tu veux le premier otage, discuter avec lui, boire un thé, un café, un thé, un chocolat? Ouais, ouais, je l'ai. Vas-y, va avec eux. Avec moi. On sait, ils vont discuter avec toi. Ouais, je vous suis. Tu peux baisser les bras. Tu peux monter dans le véhicule, tu te mets à l'arrière. Chiant. Il a acquis le véhicule, les gars. Lequel? Oula. Non, non, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Vas-y, monte à l'arrière, monte à l'arrière. Monte devant et après tu montes à l'arrière. Quel véhicule? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Oula. Monte à l'arrière. Je fais comment, monsieur? 4 ou 3. Dis, tu t'occupes de l'otage? Ouais, viens, monte. Monsieur, monte et tu te mets à l'arrière du véhicule. Bah, moi, tu me dis, mais à gauche, faut qu'on parte à gauche. Bien, Speedy, bonsoir. Ah, il veut aller devant, le con. Négatif, on a braquage, nous. Quête, j'ai le même problème. Bah, écoutez, moi j'ai des otages, donc j'ai des pauses et je peux venir, mais je suis tout seul. Il parle même pas avec nous, le flic. Pas de problème, merci à vous. Ah si, il est en radio. Messieurs, tout se passe bien? Ouais, ça va, ouais. Ouais, ça okay, va. Merci, monsieur. Et merci de nous avoir secouru, monsieur. Merci. Il vous a pas fait de mal, là? Non, non, ça a été, non. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des informations à me donner, par hasard? Personnellement, bah, pas du tout, parce moi, que... Bon, bah non, parce que... Ils m'ont pris en plein service, du coup j'ai pas trop compris quoi. Vous travaillez dans quoi, monsieur? Comment? Vous travaillez dans quoi? Taxi. D'accord. Et vous, monsieur, à gauche? Je venais de finir mon service et ils m'ont braqué et du coup, enfin, je voulais acheter une voiture, ils m'ont braqué sur le parking pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire quoi. Mais sinon, j'ai aucune information. Ils étaient cagoulés dès le début, donc. Ouais, bah oui, de fou. Je pourrais pas vous renseigner plus que ça. Ok, parfait. Bon, moi je vous dépose ici. Et après vous pouvez y aller. Okay, parfait. D'accord. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée, merci encore. Bonne journée, monsieur, c'est gentil. Vas-y. Si je viens aligner, on va aller au taxi. Ouais, vas-y, let's go. Par contre, attends, je suis plus. Ah, faut courir par contre, hein. Attends. T'as un skateboard sur toi normalement. Attends, je regarde. Vas-y. Ah non, j'ai pas du tout, non. Merde, attends. Je crois que t'as un petit BMX sur toi, je pense. Non, j'ai pas, non. Attends. Comment faire? Ça me saoule parce que moi, j'avais une voiture de location que j'ai laissée sur... Sur là où on achète des véhicules. Ah ouais. Bah viens, on court, hein. Ouais, vas-y. T'as encore ta location ou pas? J'espère qu'ils m'ont pas chouré, quoi. Attends, ah, j'espère aussi, ouais. Je vais regarder. Vas-y. Oh non, pitié. Pitié, 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 pitié. Putain.
Oh non. Ils te l'ont pris. Ouais, ils m'ont pris. Ils te l'ont pris. Non mais non. T'sais quoi, j'ai une idée, En fait, j'ai un peu d'argent sur moi. Je vais acheter une voiture. Et tu penses que je peux en acheter une? Parce que je vois pas le concess là. Ah si, 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 viens voir. Ah vas-y, let's go. Voilà ici là. Ok. Le catalogue. Ok, je regarde. C'est un véhicule. Okay. Et je pense que tu peux l'acheter hein. Ouais ouais, nickel. Comme ça on pourra aller où on veut. Ouais. Et d'ailleurs, tu... Ouais, ouais, je te donne mon numéro. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et 10 000 balles, putain, les gars. Ils nous ont fait peur, ces fils de putain. Mais grave, j'ai cru que c'était la fin pour nous, là. Ouais, t'es fou. Tu me conseillerais quoi comme bagnole? Je sais pas, t'as beaucoup de sous. Bah, j'ai un peu moins de 10 000 balles, quoi. Ah. Ah. Je pense que toi, ça va être dans les compacts, hein. Compact, ok. Ouais, ouais, ouais. T'as... Je pense, hein. Logan, celle-là, elle est bien, hein. L'autre, là, la petite gueule... non, c'est pas une gueule, excuse. Ça, là? Ouais, c'est là, là, ouais. Après, pas mal, hein. Elle a que deux places, non? Attends, je check, attends. Ce serait cool, une 4 places. Ouais, effectivement, j'sais il y a une banquette pour... arrière, mais je sais pas trop. Et est-ce que c'est marqué quoi sur le descriptif, là? C'est écrit 20 kilos. Ouais. C'est tout, hein. Non, je vais regarder. En fait, il me faut une voiture 4 places, quoi. Viens. Ouais, du coup, c'est bon. Au cas où s'il y a un problème, fais un airdrop directement, là. Ah oui, putain, oui. Parce que, putain, t'imagines? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bien joué. Vas-y, je te fais un airdrop. Vas-y, vas-y. Tiens. Nickel. Hop. Vas-y, envoie-toi. Alors, attends. Laurie Strange, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ok, attends. 2 secondes. Je t'envoie un message. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie. Eh, hey, Frérot de braco ou je sais pas quoi là. T'as capté? Ouais, de prise d'otage. Voilà, ouais. voilà. du coup, attends. Je voulais que tu me donnes ton avis sur la voiture. Ouais. Oui. Ah, la petite blanche là, elle était pas mal. Hein. Celle-là, elle est cool, non? Oh putain. Oh waouh. Wow. Par contre, elle a que deux places, non? T'es mal les jantes. Ah là là. Elle a que deux places, les gars. Ah merde. Tu penses que je la prends quand même? Après, elle coûte 6000 balles, hein, ça fait mal. La petite blanche que t'as vue tout à l'heure, elle est chère, non? Attends. La petite blanche, là. Attends, celle-là, elle a combien de places? Ouais, celle-là, là. Elle a 4 places, elle? Ouais, attends. Ouais, non, 2, mais vas-y, regarde. Ah, merde. Elle a combien? Elle est à 5000. Ah, prends-la, celle-là. Tu penses? Ouais. Parce que, bon, 1000 balles de plus, il y a celle-là, quoi. C'est pas mal aussi, hein. Ah, vas-y, prends, hein. Ah, vas-y. L'histoire. Oh, salut, mon frère, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Ça va s'acheter une voiture. Comment? Ça va s'acheter une voiture. Ouais, c'est... Oh! Je suis proprio! Comment je fais là? Eh, bonsoir, oh, en fait, monsieur, bonsoir. Oh, ouais, c'est mon frère, bonsoir. Je te présente, John, c'est mon frère. Ah, bonsoir, bon, John. Je travaille chez les Lost, bon, tranquille, hein. C'est qui les Lost? Ouais. C'est un groupe des bikers. Oh, waouh, tu me les présenteras, vas-y. Hein. Ouais, t'inquiète, un de ces quatre, t'inquiète. Ouais, incroyable. Eh, fais un airdrop.
Vas-y, attends, je t'en fais ça tout de suite. Le mec, il va récupérer tous les numéros. C'est bon pour moi. Ok, je t'envoie un petit message là. Comme ça, je t'ajoute. Allez. Bon séjour à vous. Hein. Oh, 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 oh non, oh, non. Je savais pas que c'était là. Dans ma voiture. Ah bah, dès là, c'est lui que là, on l'a. Non. Ma voiture. Non. Non, au secours. Au secours. J'avais mis toutes mes économies là-dedans. Non. Dites-moi que c'est une blague. Vous m'entendez? Je vous entends plus, là. Je vous entends plus. Ah, c'est bon. Oh non. Mes économies. Mais monsieur. Non, attends, tu l'as pas perdu. On va faire un truc, t'inquiète pas. Ok. Mais monsieur, n'abîmez pas non plus ma voiture plus qu'annelée. Justement, il la pousse comme ça et essaie de la ressortir un peu. Ouais, désolé. Hein. Ah, monsieur. Ma voiture. Je suis vraiment désolé. Hein. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Une solution, t'inquiète pas. Chercher une voiture, je vais la voler. Bénis, ils sont juste là. Allez, vas-y, attends, je t'envoie un message. Attends, je t'envoie un message du coup en attendant. Vas-y. Bénis, ils vont bien vouloir se déplacer, c'est juste à côté. C'est quoi le bon? C'est bon, ils vont arriver, t'inquiète. C'est lequel lui? On va leur expliquer qu'on a eu un petit problème avec quelqu'un. T'inquiète, Denis, hein, j'ai contacté le Bénis, tu sais, c'est un garagiste, là. Ouais. Ouais, ils vont peut-être réparer ça, hein. Ouais, j'espère, parce que 6000 balles, quand même, hein. Ouais, t'inquiète. Tu l'as pas perdu, t'inquiète pas. T'es tellement heureux, en plus. J'allais faire mon premier vroom. Ouais, je sais. Mais c'est vrai que j'avais pas non plus... On aurait pu se bouger pour se mettre sur notre partie. Ouais, j'avoue. Bah mais après il savait pas qu'il y a un mec acheté. Ouais c'est vrai qu'on savait pas non plus, on savait pas. Je t'attendais quoi. Enfin, j'allais te dire du coup, t'en penses quoi, mais maintenant qu'elle est retournée... voilà quoi. Oh. Oh. T'imagines par magie elle serait remis droite. Non, ouais. Ouais, on est. Non, je suis trop dans Harry Potter, moi. Bon, s'ils viennent pas, sinon, moi je vais aller les chercher, hein. Ils sont juste à côté, hein. Mais ils viennent pas pour l'instant, hein. Mais... Il est mort. Non, bah, je sais pas, mais moi, à mon avis, ils doivent être occupés où, j'en sais rien. Sinon, moi, je vais les voir, Harry Potter. Bon app, hein. Oh non, t'inquiète, c'était juste un truc comme ça. Okay. Merci quand même, Lenny, c'est gentil. Putain, je peux pas retirer mon sac à dos, ça m'énerve. Ah. Ouais, je le retire. Bon, en attendant, je pense que je vais aller déposer. Hein. Ah ouais, mais attends, déposer, il faut aller dans la grande banque. Ah, j'ai jamais fait ça. On peut pas déposer dans les petits comme là, ici. Là. Ah merde. Ah, ouais, on peut juste. Ok, faire un retrait. Ouais. Ah mince. C'est embêtant. Ah bah ouais. Parce que là, j'ai un peu sur moi, quoi. Bah ouais, la même. Bon, on y va ensemble alors. Ah, mais faut monter tout ça là-haut et puis s'ils arrivent en même temps. Aïe. Ouais. J'espère qu'ils vont arriver quand même, hein. Ouais, j'espère aussi. Faut qu'ils bossent, quoi. C'est leur boulot. Ouais, j'espère, ouais. En tout cas, je suis très content de t'avoir rencontré hein, ce soir. Hein. Ouais, moi aussi, Lenny. C'était un braquage de merde, très très long, mais... Ouais. Ah, je suis content de... Enfin, qui a mal commencé avec moi, mais ouais. Bon... J'y avais... Je pensais pas qu'ils avaient droit, quoi. Ouais, t'inquiète, je comprends. Je comprends. Que du coup, je me trouve con, quoi. Mais non, t'inquiète. Me dis,
En plus, tu vois, je viens de grandes constellations, j'ai jamais eu de rappel à l'ordre, rien du tout. Et là, j'arrive ici, une petite constellation. Et ouais, les lois sont assez différentes de ville en ville. Hein. Mais c'est vrai que putain, si j'aurais dû éviter ça, j'aurais fermé ma gueule jusqu'au bout. Non, mais quoi. c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Et moi, j'ai déjà oublié. Ouais. Et qu'une histoire derrière nous. Voilà. Personnellement. Par contre, ils sont... Mais putain, ils ont quand même pris la banque, bordel de merde. Bon, bref. De quoi? Ils ont quand même pris la banque, hein. Tu penses qu'ils ont gagné beaucoup? Oh ouais, je pense, hein. Parce que quand ils parlaient, j'ai l'impression que j'ai entendu, hein. Tenez vos 5000 chacun. Donc, C'est tout. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu énormément, hein. Ah, la part! Donc, ils sont passés, je sais pas combien de temps, ça sauf pour à peine 20 000 dollars. 5000 chacun? Mais oui! Tu sais, les 5000, je te les fais en 2 heures, hein, easy! Hé! Hey, comment ça? Je te les fais en 2 heures au taxi, hein. Ah ouais, ça gagne autant! Bah non, mais tu sais, au taxi, tu fais des petits citoyens qui marchent sur la route, là. Ouais, j'ai fait poids lourd tout à l'heure. J'ai fait chauffeur de bus. J'ai gagné à peine 400 dollars. Ouais, mais c'est moi, c'est 100 dollars par 100 dollars le. Ah oui, t'es bien. Du coup, à chaque fois, tu vois, c'est bien parce que c'est bien. Et du coup, tu les fais en combien de temps, t'as dit? Ouais, j'étais dans 2 heures, mais je sais pas, je compte pas trop, mais disons que si tu vas assez vite, tu te fais facilement 1000 en 30 minutes, quoi. Ok, c'est bon à savoir ça. Mais de toute façon, j'essaye de trouver un petit boulot là. J'aimerais bien... Regarde sur la radio D, il y a plein de boulots qui recrutent. Ah ouais? Parce que moi c'est surtout le Weasel. J'adorerais être dans le Weasel. Ah, with the news. Ah ouais. Ah ça c'est pas les trucs où il y a les reportages et ouais. Ah c'est ça. Tu me verrais bien en tant que reporter? Ouais, carrément. Et bienvenue sur... le Weasel News. Aujourd'hui, des news complètement dingues sur la ville. Il y a eu un bombardement du côté nord de Los Santos. Un braquage a eu lieu. Deux individus se sont fait braquer et ont récolté seulement à peine 20 000 dollars. Voilà, tenez-vous informés au Weasel News. Oui. C'est pas mal, hein. Ah, c'est bien, Lenny. Ouais, t'es bon, t'es fait pour. Let's go. Let's go. Et du coup, toi, tu veux bosser dans... Tu vas les bluffer. Tu veux bosser où, toi, du coup? Moi, je travaille déjà au taxi, mais... Tu comptes rester longtemps que... Oh, attends, mon frère, je crois qu'il m'a ramené des anges gardiens, là. Oh, bonjour. Messieurs, vous êtes des boss. Merci infiniment. Par contre, je vous entends pas quand on est là, messieurs. Messieurs, je vous entends pas, là. Ah. Ouais, voilà, Lenny, hein. Ah, merci infiniment. Ouais, de rien, écoute. Je leur dois quelque chose. T'inquiète pas, je pense que Loris, il va payer. Ah, vous êtes des boss, hein, merci beaucoup. Par contre, dès que je rentre à l'intérieur, là, j'ai l'impression que j'ai la voix qui est un peu enrouée. Si tu vois ce que je veux dire. Attends. Ouais, bah reste dehors. Ouais. Ma voiture. Il vient de l'acheter. Non. Il a des super belles pièces dans ses poches, t'inquiète. Ah, vous êtes vraiment le roi, monsieur. Retourne-toi et ta caisse sera bien pimpée. Ok. T'inquiète. Ok. 1, 2, 3... Non, désolé. Pas comme ça. Désolé. Non, tu te retournes. Attends. Jusqu'à 30. Jusqu'à 30, ok. Ok. Ah, mais je crois que trop tard. Il l'a déjà réparé. Voilà, surprise, Lenny. Elle est toute belle. T'as vu? Merci beaucoup, c'est monsieur. C'est pour moi, monsieur. Le monsieur, là. T'es sûr? T'es sûr? Oui, je suis sûr, Lenny. Je suis sûr. Merci beaucoup. Putain, j'ai oublié son prénom. Je suis une merde. Ah, c'est cadeau pour lui, hein.
Ah, pour moi. Je suis une grosse merde, j'ai même pas retenu son prénom. C'est Loris, putain. En plus, sur déplacement, ça coûte cher. Hein. Faire ça, toi. Merci beaucoup, monsieur. Loris. Vas-y, c'est cadeau. Loris, allez, merci infiniment. Mais de rien, Lini, de rien, de rien. Voilà. Vas-y. Oh là 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 là. Merci beaucoup, merci beaucoup. De rien, merci beaucoup. Vous pouvez juste m'appeler sinon. Ouais, le Santos est toujours là pour nous, merci beaucoup. De rien, de rien. Vas-y. Et dites-moi, vous faites les peintures vous sur les voitures ou pas? Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Pote, il a rangé dans un garage et que tu l'as ressorti. Ah, oh bah on fait ça maintenant là. Tu peux me pinguer le. Enfin, pinguer. Tu peux me. Mettre le point sur Waze. Attends, toi aussi sa voiture, je suis l'avoir cassé là ou quoi? Ah ouais, cassé, cassé, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais aller encore casser ta voiture. Ah, vraiment. Vous voulez que je descende? Non, non, t'es pas obligé, je sais pas, je vois, y a un pare-choc qui s'est en ouais, droit, ouais, le pare-choc qui s'est retiré, mais je pense que c'est parce qu'il doit la remettre dans son garage et la ressortir, je pense. Sais pas, mais c'est vraiment trop chiant, ça, par ouais, contre. Ouais. Après, j'ai été fort aussi, hein, en m'asseyant. Bon, Lenny et Loris, je vous laisse. Ouais. Puis monsieur le mécano. D'accord, John. Allez, c'est bon, vas-y, on se voit. On se recapte une prochaine. Vas-y. Hey, il est... C'est un bon, hein, ton frérot, là. Ouais, ouais, très 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 gentil, mon frère. Vas-y, c'est bon, je t'en ai mis un. Vas-y, let's go. Vas-y, vas-y, on y va. Oh, elle roule bien. C'est fou. Elle manque juste un peu de punch, mais... Elle est pas mal. Ouais, je comprends, je comprends. Peut-être t'as acheté une clé aussi, tu sais, une clé dans ton dans le garage, ils vont te proposer de avoir une clé pour ouvrir ton véhicule. Ah ouais, d'accord. Ok, bah on va voir ça tout de suite là. Ouais, dans le garage, là tu l'arranges et ça va te la proposer. Oh monsieur là. Oh, oh monsieur chauffard, chauffard. Non mais oh. C'est quoi fou. Je crois que c'était l'autre côté. Ah. Ouais, c'est le ouais, c'est celui-là là. Ici, tu travailles là, ici, là, sur le parking. Ok. Rouge. C'est là où il y a les voitures rouges là. Ouais, nickel. Là, normalement, tu vas le voir normalement à un moment, non? Là, il est où? Là, je vois. Il est où le con? Tu te caches où, petit là? Attends. Il est attends, je sens, je vais regarder. Ouais, je crois qu'il a pris la voie 9¾. Mais je crois aussi. Là, ici. Ouais, il est en plein dessus. Là, vas-y, là, approche-toi de la voiture rouge, là, et puis tu... Tu penses ça passe? Ouais, ça passe, ouais. Vas-y, approche-toi, yo. Approche-toi bien. Tu la ranges, là, comme ça. Ça passe pas trop, hein. Ça passe pas? Ouais, non, elle ouais, bloque. Ça passe, là, où je suis, là. Là, ici, ça passe. Vas-y, merde. Ça passe là ouais, ou ça pas passe, ça passe, ça passe. Vas-y, vas-y. Oh. Ok, nickel. Et du coup, attends, maintenant... Attends, tu vas aller au bleu, là. Et tu fais... Tu cliques sur ta voiture et... Mais après, tu fais le muscle U pour la fermer et l'ouvrir. Ok, j'essaye. Vas-y. Oh. Nickel. Oh, c'est incroyable. Alors, et hop. Oh là là, merci beaucoup Laurie. Hein. Oh, mais Doris, pardon. De rien. Tu voulais qu'on dépose l'argent, non? Comment? Tu voulais qu'on dépose l'argent? Ah ouais, vas-y, va là, quand tu veux, je te mets un petit. Ouais. Un petit GPS. Vas-y. T'es parti. Si, va là-haut. C'est la grande, là, tu vois. Ouais, c'est loin. Continue tout droit, continue tout droit, vas-y. Vas-y.
Oh, fais gaffe, fais gaffe. Ah. Je contrôle plus les pédales. Ah ouais, bah ouais, vas-y, doucement. Là, c'était à côté, là. Regarde, sors ton Wise. Ouais, oh, les pédales, elles fonctionnaient plus. Oh là là, merde, les oh là, pédales. Oh là là là. Ça va, tranquille, il y a un... Oh non, ma voiture. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ouais, c'est la grande ici, là. Nickel. Et c'est parti. Putain, c'est trop bien, je commence à kiffer, là, de fou. Ah bah attends, moi, je peux que retirer. Ah bah, moi aussi. Oh, attends, c'est quoi cette connerie? What the fuck? Là. Viens, 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 Lenny, c'est ici. Ah ouais, super. Ah oui, le banquier, bah oui. Ouais, bah oui, le banquier, excuse-moi, ouais. Ah, putain de bordel. Merci, monsieur le banquier, c'est gentil. Hein. Merci, monsieur le banquier. C'est tout bon pour moi. Bon, ça va, ils sont bien au niveau informatique. Ouais, ouais, ouais. Il y a ouais, des ouais, caméras ouais, partout, donc ils peuvent pas se faire cambrioler. T'imagines, ils cambriolent cette banque. Oh là, on est mal, on est mal. Oh là là là, bah ouais, 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 ouais. Notre coffre-fort, il sera tout vide. Oh ouais, non, 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 non. Non, non, non. Ça me fume comme la voix du perso a totalement changé depuis le oh, début. Oh, il y a un collègue à moi. Ouais, tranquillement, tranquillement. En fait, c'est... Ouais, dis-moi, Lini. C'est que des motards. De quoi? C'est... Ils ont un gang de motards. Qui, mon frère? Ouais, 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 John. Ouais, ouais, enfin... Tu sais, c'est les Lost. C'est, ouais, 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 ouais. Un groupe de motards, qui sont dans le nord. Ah, ouais, 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 d'accord. Voilà quoi. Moi après, je les connais pas, hein, tu vois. Mais moi je connais juste mon petit frère, tu vois. Ah parce qu'il est, il est du nord. Ouais ouais, mon petit frère il est du nord, ouais. Ah ok ok ok. C'est rare qu'il va dans le sud et... Là il est venu juste me dire un petit bonjour. Ah mais c'est sympa, c'est sympa. Il m'a envoyé un petit message. Je pouvais pas répondre, du coup il s'est inquiété. Tu vois. Ah ouais ouais ouais. Ouais c'est sympa, hein, t'as vu. Ouais ouais, il est super cool. Ouais, ouais, ça c'est l'esprit biker. Je l'ai à peine rencontré que bam, il m'a dépanné. Ouais, 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 t'es fou. Il est incroyable. Ouais, il est sympa, il est sympa. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, il est trop sympa. Tu veux, t'as prévu quelque chose ou pas, Loris? Ah, je crois que j'ai prévu d'aller faire une grosse sieste, à mon avis. Ah ouais, je pense que moi aussi, ouais. Bah, ouais, tu sais quoi, ouais, on va retourner sur le parking et puis... Ouais, puis je pense qu'on va se dire au revoir. Hein, ouais, ouais, ouais. On s'appellerait. Ah, ouais, ouais, ouais. Dès qu'on ouais, sera réveillé, on s'appelle et. Ah, bah direct. Pas de soucis, hein. Ah, bah direct, direct, donc... direct. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y, hein. Parking, du coup. Vas-y, vas-y, parking. Oh, merde. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis. Ouais, je t'en paierai une vite, t'inquiète. Ouais, 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 t'inquiète. Et tu penses que c'est cher pour custom le véhicule? Ouah, je sais pas du tout. Parce que j'aimerais bien j'ai lui mettre un peu de punch, j'ai quoi. Été. Ah, parce ouais, que tu penses? Bah ouais, il est un peu lent, je trouve. Ouah, tu demandes conseil? Ouais, 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 ouais. Est-ce que ça te dérange de me déposer au taxi carrément? Vas-y, mets le point, mets le point, mets le point, y'a pas de soucis. Vas-y, vas-y, merci beaucoup. T'inquiète, parce t'inquiète. J'ai pas de moyen de locomotion, du coup, c'est vrai que. Ouais, 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 je comprends, je comprends. C'est juste. De toute façon, moi, ça va dormir dans je la voiture hein, ce soir. Hein. Ouais. Ouais, 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 j'ai ouais, pas de. Moi j'ai aussi, pas de toi. Ouais. Sur le parking du taxi. Hein.
j'étais en train de me faire une réflexion là. Dis-moi. Imagine, là, on roule et on se fait de nouveau braquer. Oh non. Cette ville, elle me fait peur maintenant. Mais moi aussi, je venais d'arriver et là, je un peu là. De fou. Eh, d'ailleurs, tu viens d'où, Loris? Moi? Ouais. Bah, de Los Santos, comme tu vois. Ah oui, mais je veux dire... Ah, mais je voulais dire, peut-être que tu habitais ailleurs avant. Ouais, je venais d'ailleurs avant, ouais. Ah, d'accord. C'est une grande constellation, quoi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais tu me dis quelque chose, en vrai. Ah bon? Ouais. Ah mais d'où alors? Je sais pas du tout, mais tu me dis quelque chose. Ah mais y en a plein qui m'ont dit la même chose. Mais tu sais que... À qui tu m'as fait penser? Bon, je sais que c'est pas toi, hein. Non, dis-moi. Mais celui-là qui a créé la musique dans l'équipe d'Uber Vite. Mais oui. Tu connais? Mais oui. Ouais, mais non, t'as la même voix. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. T'as la même voix que Scott. Ah, incroyable. Dans l'équipe d'Uber Vite. Mais oui, Uber Vite. Uber Vite. Mais oui. Ah, les souvenirs. Les souvenirs. C'était une belle émission télé, ça. Hein. Mais de fou. Merci beaucoup, Lily. Mais je t'en prie. C'est gentil. On se retrouve la prochaine. Ouais, bah, rappelle-moi dès que t'as en ville, ok? T'es là souvent, toi, ou pas? Ouais, souvent. Ok, moi aussi, je vais être là très souvent, je pense. Ok, nickel. Vas-y. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi pour tout. Et puis, bah, force à toi, mon frère. Bah, je t'en prie, merci. Et prends soin de toi. Hein. Je suis trop content de t'avoir rencontré. Ouais, la même. Vas-y, on se recapte la prochaine. Vas-y, bisous. Vas-y, bonne nuit. Incroyable. Je vous avais dit que ça allait devenir mon meilleur pote, les gars. Je l'avais dit. Putain, faut que je retrouve le parking central. Oh, je pense que ça va le faire. Papa, j'ai trop kiffé, là. J'ai trop kiffé, ça y est, je me suis fait un poteau. Faites que je me fasse pas braquer, là. Par pitié, laissez-moi dormir. Je vous en supplie. Putain, il y a les keufs. Ah non, moi je veux pas de problème. Hein. Moi je veux juste dodo. Allez, hop. Ni vu ni connu. Et ben voilà. Hop. Je vais mettre là-bas. Et ben les gars, c'est une fin de session pour... Lenny Smith. Voilà, là, on y bien. Et bah les gens, j'espère que vous avez kiffé. C'était très cool. Par contre, bizarre parce qu'il y en a plein qui... Les gars, j'essaye de chuchoter parce que normalement, je vous ai dit, j'ai plein de problèmes avec ma copropriété et tout. Les murs sont hyper fins. Du coup, je suis obligé de chuchoter. C'est pour ça que tout à l'heure, avec mon perso, j'essayais de baisser. C'est compliqué de parler bas. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite aventure RP. Je vous remercie énormément. C'était très cool pour cette première aventure. Un peu trop long, tu vois, c'est dommage. Mais c'était très cool. Je vais vous retrouver vendredi pour faire la suite. Et vous avez vu, dinguerie, à chaque fois, les gens disaient « Putain, mais toi, tu me dis quelque chose, machin. » Ça fait deux fois qu'on me dit ça. Donc, je sais pas. Peut-être que j'ai une voix ressemblante à d'autres. Je sais pas. Bref, je vous laisse ici. Je suis désolé, je suis obligé de chuchoter et tout. Sinon, je vais me faire déglinguer par mes voisins. Prenez soin de vous, les gens. Et du coup, à vendredi pour la suite. Et ça y est, je commence à devenir accro, là. C'est incroyable, GTRP. Ça y est.